Jeannette, tu m'aimes. Merci Jeannette. Qu'est-ce que vous avez en direct tout à l'heure? Vous vous rappelez? Oh, ça fait plus de 15 minutes. Eh oui. Attendu. Merci. Who TF did I marry? J'ai pas encore ça, regardez. On nous casse les oreilles en ligne avec ça. Who TF did I marry? Qui a regardé? Moi, je n'ai pas regardé. Bon. Je vous ai dit que je revenais faire les lectures. Chose que j'ai promise. Bon, on fait la bonne lecture générale pour tout le monde. Tu m'appelles madame, tu me connais, madame. Oja, les Ivoiriens vont maintenant vouloir venir me réclamer. Que tu es Ivoirienne. Tu es Ivoirienne. Bon, je sors la liste des lectures à faire. Pardon? La pleine lune. Non, 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 c'est demain. C'est demain, je vais pouvoir m'en parler. Allez, faire la carte donc, le Didier. Est-ce qu'on a la carte? J'ai le Jim Kai, il dit ça. Je ne veux pas être désagréable, je ne veux pas le voir. Je cherche la liste des gens que je devais lire. On a un rituel de pleine lune demain.
Bon, on commence d'abord par une lecture générale. Non, il n'y avait pas encore la troisième étoile. C'est le prochain maillot, non. J'ai acheté ça pendant la canne. Donc, tu veux que j'ai mon maillot que j'ai acheté ça fait 2 semaines là. Pour aller acheter le nouveau maillot avec 3 étoiles sur ça. Ah, excusez, faut pardonner. Pas par là. Comme bien sûr, général, pour sortir. Général, je suis sûr que tu es beau. Parce que c'est des beaux mecs qui aiment déranger. Tu m'as vu dans ton rêve. Et après, vous avez fait la séance, vous n'êtes pas moi. Tu me demandes si je suis en couple. Si mon gars regarde et je dis non, tu me mets dans les problèmes. Faut pas gâter ton nom. Hé, général, je bloque les gens. Attends, il finit de mettre lui sur mon visage. Je vais te bloquer, tu vas voir. Attends. Là, tu me connais pas, oh. Tu es nouveau sur ma page. Oh. je bloque, les beaux mecs, je bloque. Tu veux savoir combien de gars j'ai divorcé ici là? Hein? Pas de coach. Salut. Donc, pas de coach, aujourd'hui, ça m'a ta mère. Hein? Tu étais mon Valentin, tu m'as réenvoyé pour la Saint-Valentin, maintenant tu me dis que ça m'a ta mère. Général, attends, il finit, je te bloque. Attends. Ne me vaille pas beaucoup. Mais arrive. Depuis que Risa nous a délivré avec Woody F. Didat Mary, on ne blague plus avec les mecs. Tu t'amuses, on te dégage à distance. Est-ce que tu es VIP dans une compagnie? Hein? Are you a VP? Wait, I'm coming for you. Voilà. J'ai dit qu'elle va te bloquer. Je tiens toujours mes promesses, j'arrive. Ton bracelet, si c'est brisé, oui. Généralement, ceux qui ont les attaques, ils vont encore acheter. Les prochaines personnes vont vouloir acheter les bracelets, c'est acheter beaucoup. J'ai même choix. Tu portes le premier, ils vont couper. Tu portes le deuxième, ils vont couper. Le troisième, là, c'est là que tu vas savoir que tes énergies sont là calmes. Bon, quoi qu'on peut dire, on commence à bloquer les gens. Bonsoir. Je vais faire les lectures. J'ai mes cartes ici, là. La lecture, c'est 20 000 francs. Pour 4 minutes de mon temps. Hier, je me disais que je suis moins cher. Je suis moins cher, vraiment. Pascal, je n'ignore pas tes messages que quoi. Tu as mis l'argent dans tes messages. Oh, Hakabama. Oh, non. Attends, je cherche le gars là. Tu m'as dit que mon cadeau arrive. Oh, il ne faut pas qu'elle m'évanouisse quand ce sera là. Oh, qu'il est mignon. Si j'étais encore pucelle, c'est que ça allait m'exciter. Mais bon, c'est pas grave. Attendez, il y a le gars là. Ah, le voici. Je crois qu'il est déjà parti lui-même. Mais il le bloque quand même par mesure de sécurité. Voilà. Voilà, on va commencer. Un jour, peut-être, un homme peut venir ici là que c'est vraiment l'homme de ma vie. Je le bloque comme ça, là, comme une blague. Depuis que Pat m'a promis, ça fait déjà 4, ça fait combien? Ça fait 10 jours. On a encore 9 jours. Demain, ça fera 10 jours. Ma cloche qui était ici, Patio. Ah, c'est à la maison. Aujourd'hui, je n'ai pas fait le, direct à la maison. Je suis au bureau. Ok, allons-y. Ce live n'est pas la séance de questions. Tu as vu sur le site du direct, on a mis 6 questions ou bien. Si tu vois question, tu me dis, je crois qu'il va répondre. Bon, on fait la lecture.
J'ai eu les enfants, j'ai eu les adultes. On ne compte pas les choix en amour. Hey! Je ne veux pas changer de sujet. Le mot amour doit fonctionner avec compter. On doit compter l'argent. On doit compter l'argent. Le mot compter ne peut pas être enlevé d'amour. On ne compte pas en amour. Peu importe ce que tu me dis qu'on ne compte pas, je ne veux pas savoir ce que tu disais. Tant que tu me dis qu'on ne compte pas, ce n'est pas bon. Bon, ceux qui ont des questions, posez-moi vos questions alors. Posez. Posez rapidement vos questions. On soutient la tenue. Hein. Et qui est sa tenue même. Oui, posez alors vos questions. Je tombe tout sur les pauvres garçons. Pourquoi? Continuons. Je fais des rêves. Non, tu fais des rêves. Que je prie. Tu as fait un rêve que je priais pour toi. Ta question, c'est quoi, chérie? Tu veux réussir dans l'événementiel. Est-ce que tu vas y arriver? Tu es paresseuse, Elisa. Comment connaître ses vies antérieures? Tu prends une séance de lecture de vie antérieure. Grâce à toi. Est-ce qu'elle veut pouvoir enfin travailler? Donc, Daina, donc tu m'écoutes depuis. Tu es bête comme ça. Hein, mamie? Ariane Mofo, va sur Google, tu écris chaman. Tu lis ce que ça dit, tu viens me dire. Parce que tu as demandé c'est quoi un chaman. Ne me cassez pas la tête avec les questions que vous pouvez demander à Google. Continuons. Bonjour, je vais évoluer au travail, s'il te plaît. Mademoiselle, je suis ta mère, je te connais, je suis ton gars. Ok, continuons. Question. Tu n'arrives pas à rester dans le mariage. Je te vois, peut-être, je suis sûr que tu trompes trop ton gars ou ta gueule. Tu es une femme ou un homme? Tu n'es pas frivole par hasard, comme tu dis que tu ne laisses pas le mariage. Hein. Peut-être que tu n'arrives pas à te satisfaire d'un seul plantain. Oui, elle peut partir. Elle peut partir. Alors, donne-lui 500, j'ai des belles sans donne-lui 500, pardon. Le bracelet, si c'est... Ça dépend du pays. Il y a des pays où je vends à 10 000, d'autres je vends à 12 000, d'autres je vends à 16 000. En fonction de ton pays. Pourquoi faire un bain de pipi? Dis-leur qu'on arrive. Dis-leur qu'on arrive. Je crois que tu es à 70% bloquable sur ma page. On ne se comprend pas. Mais jamais, ce sont les gens que quand ils tombent sur ma page, on se connaissait déjà depuis peut-être même 10 ans. Mais j'étais dans leur tête. J'étais leur ami imaginaire. Donc quand on se parle, on dit, ma copine, hein? Tu vois. Donc si tu arrives sur ma page, tu ne me comprends pas ce que je te conseille de passer. Est-ce qu'on fait alors le gondré avec un plantain? Pas de te bloquer. Le bracelet, c'est Abidjan. C'est 15 000, je pense. Prends le numéro de ma vie. Tu appelles, tu demandes non. Mon ex m'a laissé pour une autre. Ça fait déjà un an et je n'arrive pas à l'oublier. Hey! Donc, tu n'as pas rencontré un plantain que tu peux manger depuis. Jesus. Le remède du plantain, c'est le plantain. Hein, chérie? Tu me payes même pour le retour d'affection sur le genre de gars là, je refuse. Et je veux qu'il revienne, je dis jamais. Voilà Gloire Victoire qui dit que quand elle a regardé ma première vidéo, elle me met la sortie que non, ça c'est ma copine. Ma copine. Oui, je fais la consultation. Mais pas pour les pauvres. Donc, si tu m'écoutes, tu n'as pas l'argent. Lave-toi d'abord, celle. L'argent va venir. Voilà, c'est bien ça. Je paye l'argent à la maison. Paye ta dîme. J'ai toujours la paresse lorsque je commence une activité. Je suis toujours inspirée à donner des idées aux gens. Non, tu es paresseuse, c'est tout. Ta question, ça va être je suis paresseuse, point. C'est même pas une question, c'est une affirmation. Tu as compris, chérie? C'est possible de faire son bonne attirance le jeudi. Il ne te répond pas. Vous venez compliquer la spiritualité. Est-ce que un guérisseur doit d'abord guérir? Aïe. Hey, TikTok. Voilà pourquoi je ne demande pas jamais vos questions. Hein. Merci beaucoup pour les compliments sur maîtresse. Attendre garçon un an.
C'est la magie. Papa, c'est pour ça que je ne demande jamais les questions aux gens. Parce que vos questions là, que voilà, quand je dors, mon cœur bat. Ça veut dire quoi? Moi, vous connaissez? Oh, Christian, bonjour. J'ai prié pour une personne qui a vu sa situation évoluer. Voilà, et voilà qui m'a bloqué. Je voulais ça. Tu voulais savoir s'il va rêver. Che, Daïnae. Daïnae. Daïna, je vais te bloquer. Je vais te bloquer, Daïna. Je vais te bloquer. Je dois mettre déléguer quelqu'un pour répondre à vos questions. Tous les gens qui me suivent depuis 6 mois, fidèlement, toutes les questions, si vous pouvez répondre. Tout ça, vous répondez. Comment se débarrasser de la paresse? Travail? Qui tue les gens? Qui tue les gens? Arrête de manger, nous tue les gens? Qui tue le canapé des gens? Pardon, lisons les questions. Vous ne savez pas, vous êtes nouveau sur ma page. Oui, tu merci beaucoup. L'autre dit que t'as dit quoi? Après 4 mois de séparation avec mon homme, il revient peu à peu. Comment le retenir? Hey! Ma chérie, ne le laisse pas entrer dans ta vie. Vicky. Après qu'il est parti, il a fracassé les autres filles. Ça ne donne pas, maintenant il manque l'argent, il vient te revoir. Mais, Jesus is Lord. Quelle est la signification de vomir des pieds noirs et des graines de plantes en rêve? Je ne peux même pas imaginer ça. Le mauvais esprit que vous avez là. Aza, je vais te bloquer. Tu as une énergie, je crois que tu as gagné un blocage. Les énergies négatives comme ça. Continuons. Laisse-le partir. Ne le laisse pas partir. Reprends-le. Va te sucer. Comment savoir qu'on a pris le bon chemin? On avance seulement, non? Tu avances seulement si tu ne tombes pas. Comme quand tu jouais, quand tu arrives, si on ne te tue pas. Si on te fait pour le adouguet, tu meurs. C'est que tu es sur le bon chemin. Ça m'a mal au cœur. Papa, laisse-moi. Yeah! Les filles aiment le mal de cœur. Bad boy. Alors, posez encore les questions. Vos questions m'amusent. Posez. Posez. Pardon, mes élèves qui sont là, il faut répondre. J'ai fait de bain de sel tous les jours. Je suis toujours bloqué. Pourquoi? Arrête le bain de sel, chérie. Tu as compris? Non, il faut arrêter. Si tu es toujours bloqué, il faut arrêter. Désabonne-toi de ma page. Arrête le bain de sel. Docteur Njoya, oh merci. Maîtresse là, j'avais ça en idée depuis. Non, j'ai dit oh, il faut mettre la lace wig. Laissez-moi, voilà les tresses que moi j'aime. Mais ne viens pas me dire que tu aimes les femmes qui se tressent comme moi. Je vous connais. Les hommes chiches là, vous aimez que les femmes fassent déjà assez. Si mes promos, je ne te connais pas, je vais refuser ton live. Pardon, quitte là-bas. Continuons. Bébé hollandais, va sur ma page regarder. Ma première vidéo parle du bain de pipi. Si tu n'as pas la patience pour aller voir ça, tu laisses. Est-ce que je vais avancer au Maroc? Je suis moins paresseuse. Si je suis moins paresseuse. Elisa, tu ne vas pas avancer le premier jour. Mais ça va venir. Dans ce cas, tu dis que je... Si tu te lèves, tu dis que... À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus paresseuse. Il te faut au moins 3 ans avant de commencer à voir les fruits de ce que tu auras planté le jour-là. Donc c'est dans 3 ans que ça va donner. Ok? Comment chasser les maris de nuit? Tous les maris de nuit ne sont pas négatifs, vegan. Peut-être qu'ils font bien l'amour. Donc je vends, j'ai un produit qui chasse les maris de nuit. Mais il faut d'abord demander, peut-être qu'il fait trop bien. Bon, désolé. J'ai un kit contre les maris de nuit. Ok? Bon, j'ai lavé mon bébé mal formé. Il est revenu et on m'a acclamé. Je n'explique pas les rêves, j'ai demandé les questions. Rosie, tu achètes mes produits, mais je pense que tu es bloquable souvent. Hein. J'ai été remarqué dans mes tirs, il y a des jours envie de te bloquer. J'ai rêvé que la lune se divise en deux. Et puis, ta question, c'est quoi? Comment attirer les hommes riches? Ça, c'est d'os. Toi-même, je suis sûr que tu es une fille qui est pauvre. Donc, quand tu dis que tu as attiré les hommes riches, là, c'est pour faire quoi?
Quand on voit dans les rêves qu'on te remet les choses au bord de mer, ça veut dire quoi? Tu es une femme de l'eau, ma chérie. Ok? C'est bon de prendre son bain en plein air. Yeah, sans caleçon en plein air. C'est quoi? Il y a les enfants des voisins? Hein? Ne riez pas. Après le bain de sel, j'ai fait un rêve au petit matin où mon homme me laissait pour une femme. C'est toi qui as dit que ton gars était parti, après tu veux qu'il revienne là. Indiqui. S'il est parti, laisse-le pas. Il boit le jus. Voilà. Comment on fait pour enlever un sort qu'on t'a lancé? Comment tu sais d'abord qu'on t'a enlevé le sort? Moi-même, mes réponses me font rire. Alors attendez, posez une question, il va répondre. Ok. Comment tu fais d'abord pour savoir qu'on t'a lancé un sort? Comment tu sais d'abord qu'on t'a lancé un sort, chérie? Eh, Mano, Mano Chou. Comment tu sais qu'on t'a lancé un sort? Le sort marche d'abord avec vos croyances. Tu suis. C'est un peu genre, tu sais que je suis talentueux, je peux faire ceci, je peux faire cela, mais tu as cette conviction que non, je suis sûr qu'on m'a bloqué, c'est pour ça que, alors que peut-être tu es dans ta période, parce que je pense que c'est, on passe généralement, cette période c'est généralement entre maximum 15 ans, je vais dire, la période où tu te façonnes, et si tu n'abandonnes pas, je dis bien, si tu n'abandonnes pas et tu ne meurs pas parce que tu t'es protégé, je vous apprends à vous protéger ici. Je vous apprends à être sage, à reconnaître les mauvaises personnes. Donc si tu ne meurs pas et tu passes les 15 ans, généralement c'est 13 ans, chez moi c'était 13 ans. Donc quand tu traverses cette période-là, c'est beaucoup ta confiance et ta foi en ce que tu portes. Et pendant ces 13 ans, tu découvres aussi ce que tu portes. Beaucoup d'entre vous êtes talentueux, mais vous n'avez pas confiance en ce que vous portez. Vous ne croyez pas en vous. Donc, le mauvais sort agit avec ton accord d'abord. C'est pour ça que vous voyez, j'enseigne beaucoup. Pour que d'abord votre pensée soit nettoyée. Quand tu laves au sel, ça travaille. Mais dans le jour où tu décides d'acheter mon produit ou bien que je travaille sur toi, ça travaille encore. Mais que toi-même, déjà mentalement et avec ton sel que tu fais. Ok? Bon, on continue. Bon, on prend un peu quand même Facebook, non? Un TikTok. Écrivez, je vais lire. Bon, TikTok. Maintenant, je lis Facebook. Je vais déménager. Bonjour Marine, je vais déménager au Canada, merci. Ok, ben, bon voyage, annulé. Ok. Comment savoir qu'on est une femme de l'eau? Oh là, les femmes de l'eau généralement se connaissent. Femme de l'eau peut. Ce n'est pas parce que tu aimes l'eau ou que tu as peur de l'eau que tu es une femme de l'eau. Ok. Et beaucoup de femmes de l'eau, elles sont généralement très séduisantes. Avec les gros yeux comme pour moi là. Regardez. Où est mes yeux non? Les yeux comme pour les dessins animés. Ok. Femme de l'eau, c'est généralement comme ça. Très attirante. Même si parfois elles ne sont pas belles physiquement, mais elles ont une attirance là. Parfois les femmes de l'eau ont un passé frivole. Je suis désolée. Femme de l'eau, je suis désolée. Je trahis nos secrets. Oui. Les femmes là, vous saurez me dire si c'est vrai ou pas. Donc, je donnais les caractéristiques des femmes de l'eau. Premièrement, elles sont attirantes. Elles ont les gros yeux. Les yeux séducteurs. Les yeux revolvers. Il y a toujours une partie de leur corps qui est un peu plus grosse. Soit c'est les seins, soit c'est les fesses, soit c'est les yeux. Oui. Elles dominent les hommes. Elles sont très autoritaires. Tu vois, elles contrôlent son gars comme ça. Elles le disent, fais comme ça, fais. Oui. Elles changent d'humeur très souvent. Elles ont eu une époque de leur vie où elles étaient très frivoles. Pas frivoles, mais les gars venaient non. Et elles ne disaient pas non, non. Bon, voilà, non. Voilà, tu vois, non. Ok. Parfois, elles aiment l'eau. Parfois aussi, elles peuvent être très, très. Elles ont peur de l'eau énormément. Genre, vraiment, je n'aime pas l'eau. Je ne veux pas sentir l'eau. Ce sont des femmes qu'à un moment ou à un autre, elles aiment beaucoup les courries, ça les attire beaucoup, les courries, les coquillages, vous voyez. Ce sont aussi des femmes
on peut dire qu'elles ont un mari spirituel. Parce que dans le royaume de l'eau, pas qu'un mari qui va les empêcher de se marier, mais un mari qui va très souvent taper un peu le gars qui va s'approcher d'elle. Oui. Ce ne sont pas vraiment les femmes de la maison, mais c'est pour ça qu'on les prend généralement comme Tisa. Excusez-moi. Souvent, tu as peut-être été attiré par un pendentif avec une forme de poisson ou des trucs avec les formes de. Ou les étoiles de mer, là. Tout ce qui est un peu un trait avec l'eau, ça t'attire. Quand elle était petite, elle aimait beaucoup le film de la petite sirène. Mm-hmm. Beaucoup. La petite sirène, c'est un film qui l'a fasciné. Même en tant qu'adulte, toi là, jusqu'aujourd'hui, tu aimes toujours le film de la petite sirène. Tu aimes regarder toutes les formes de petite sirène, tu vas regarder. Il y a un truc que ça t'attire comme ça là, tu veux toujours regarder. Quoi d'autre? Les femmes de l'eau, ce sont les femmes que si elles se fâchent avec toi, ou je dirais même si elles te maudit, elles peuvent te lancer un sort carrément. Hé hey, Coco, petite sirène, j'ai commencé à regarder hier. Tu me dis que tu as regardé hier. J'ai mangé le riz aujourd'hui, tu as mangé le riz aujourd'hui. Sors de ma vie. Tu as compris? Coco, sors de ma vie. Jesus, je vous assure, j'ai mis une petite sirène bêtement, je commence à regarder ça. Continuons. Donc, femmes de l'eau aussi, elles ont été dans les églises, on a voulu les exorciser. Oh, Jesus! Jesus! Ouais, marine spirit. In Jesus' name, marine spirit. Donc, on vous a tellement exorcisé, vous ne vous avez jamais senti. Quand le pasteur finit, tu tombes même au sol souvent pour que. Oh, excusez-moi, je sais pas, mais il y a une fille qui est en train de parler dans mon oreille ici. Donc, tu es tellement. Tu vois, tu tombes même pour prétendre pour que le pasteur te laisse. Ce sont aussi les femmes, justement, qu'on vous a traitées de sorcières. Oui, esprit de Jézabel. Mm-hmm. Parfois, tu ne demandes rien. Tu es assise avec ton long cabas. Mais le mari de ta copine est en train de te guetter. Conseil en passant, femme, madame, si tu es une femme de l'eau, tu as ton gars. Ne le présentez jamais à ta go. Moi, mes amis, là, ne me présentez jamais vos gars. Ok? Je ne veux pas de tentation. Je ne veux pas. Mm-hmm. Oui. Voilà. Donc, il y a encore quoi? Elles ont très souvent des dons, des pouvoirs qui ne sont pas encore activés, mais avec le temps, on est dans l'ère du Verseau. Donc, c'est en train de s'activer. Avec Internet, ça va vite. Donc, et quand tu écoutes, ça s'active. Tu écoutes, ça s'active. Maman, c'est comme ça, on dit qu'on vole les gars des gens, alors que tu ne sais pas toi qui fais. Ce n'est pas toi qui fais. Et ce sont les femmes que très souvent, elles connaissent. Que si je veux un homme, je vais l'avoir. Vous voyez, non? Vous avez pas arrêté, depuis que tu es devenu un peu mature, depuis que tu me suis là, tu as arrêté de... Souvent, il fait des nerfs, tu fais que tu vas voir. Tu vas voir. Hey, Dieu m'a sauvé. Jésus m'a... Yeah! Non, Dieu m'aime. Je suis sorti sur les choses. Hein. Yeah! Non, je suis sorti sur les choses. Avant, quand tu m'énervais, tu vas me le voir avec ton gars là. Voilà. Bon, continuons. Femmes de l'eau, quoi d'autre? Je vais parler de leur pouvoir. Ce sont des femmes aussi, voilà, très riches. Pas qu'au départ, tu vas avoir l'argent directement, mais elles ne manquent pas l'argent. Elles ne manquent pas l'argent. Il y a cette capacité-là qu'elle a aussi, comment ça vient? Il y a les hommes de l'eau, oui, les Syriens ou les Syrois, oui. Elles, comment ça vient? Et quoi encore? Les femmes de l'eau, vous aimez souvent trop manger le chocolat. Vous voyez, non, vous aimez beaucoup manger le chocolat. Trop même. Vous avez votre aura sexuelle très, très. C'est. Vous voyez un peu, non? Oui. Et quand vous étiez petit, donc, connaissez vos pouvoirs dans votre famille. Hein? Oui. Donc, très souvent, vous êtes jalousé par vos frères et sœurs. Oui. Maintenant, ne venez pas dire que oh, je me reconnais. Après, les gens vont venir dans ma vidéo dire que oh, toutes les femmes ici sont femmes de l'eau. Oh, oh. Mes vidéos sont de telle façon qu'il n'y a que les femmes de l'eau qui vont s'arrêter pour regarder. Donc, si tu as regardé même jusqu'à la fin là, c'est que tu es femme de l'eau, mais tu ne sais pas.
Voilà. Georgette, on ne pleure pas sur mes vidéos. On ne supplie pas sur mes vidéos. Tu as compris, non? Interdit de pleurer. Femme de l'eau, souvent tu rêves que tu es dans l'eau. Souvent tu rêves que tu es dans l'eau. Et quand tu es à l'église, tu as rapporté ça, on a commencé à te dire que ouais, jeûne pour que ça parte. Il faut jeûner. Oui, jeûne. Maman, laisse seulement des gambas. Affaire de gambas sur nous, hein. Elles aiment manger le poisson. Et que vous en admettez, les gambas. Quand elles mangent comme ça, ça lui plaît. Et aussi, quand elles s'approchent de l'eau, ça, si tu avais remarqué avant, l'eau s'agite. L'eau s'agite. Oui. Ah, les hommes qui me suivent là, je suis désolée pour vous. Hein. Oui, j'ai aussi les hommes. J'ai les hommes qui parlent pour les hommes de l'eau. Moi, je parle pour les femmes. Seulement. Les hommes de l'eau sont capricieux. Et ça, ignorer ma... Non. Non. Je ne t'ignore pas. Les chants des sirènes. Maintenant, il y a les bonnes sirènes, il y a les mauvaises sirènes. Ok? Il y a les bonnes et les mauvaises. Je pense que si vous me suivez depuis un bout, vous savez de quel côté vous êtes. Boris, je fais pas la combine. Ouais, Dubaï. Écris non. Tu demandes à une de mes petites secrétaires. J'ai un magasin à Abidjan, donc j'ai pas besoin de venir maintenant. J'ai mon magasin à Bellecôte. Oui, les sauts d'humeur. Mais si tu es mauvaise, de faire comment? Natacha, je parlais, j'étais dans les petites questions, mais attendez, on continue. Voilà, merci Ouattara. Bon, non, pour le Maroc, c'est pas évident que les produits arrivent là-bas vraiment. La capacité de séduire tout le monde sans exception. Une fois, on était dans l'eau avec un chocolat. Il avait senti la présence d'une troisième personne. Hé, Malène, pourquoi tu lui as fait ça? Hé, Malène. C'est pas notre faute si on est là. Parfois, je me retrouvais
dans l'eau qui sont. Alors, tu es un homme, tu es un homme, c'est ça, Rogue Nation. Oui, les bruits des vagues apaisent, oui. Il y a des jours où je pars à l'eau, je m'assois. Je dois mettre mes pieds dans l'eau. Oui, oui, Rosie, je vais organiser. Clubement venu. Je ne vous partage pas mon itinéraire. Justine dit, depuis que je suis née, je ne me suis jamais lavée au bord de mer à cause de cette attirance. Ah, d'accord. D'accord, Rogue Nation, tu es un homme. C'est quoi ta question alors, papa? Mais monsieur le siroir. Léa, Gumming, je ne mange plus. Je n'interprète pas les rêves, chérie. Non, mon repas était bon. Attendez, parce que Rogue Nation a comme question. Comment savoir si on est une femme de l'eau? Mais je viens de répondre à ça, déjà. Ce sera sur mon TikTok bientôt. À part les femmes de l'eau, il y a quel type de femme? Puisque je suis une femme de l'eau, je n'ai pas d'autre. Ton voisin te dérange la nuit mystiquement. Tu dis la vérité? Parce que souvent, vous êtes trop gentil avec les gens. Bon, Rogue Nation a pu écrire, je continue. Il y a aussi femme du soleil et de la terre. Mon numéro est dans ma bio, Pretty Woman. Utilise le kit fondation. Cela va débloquer tes rêves. Voilà. Bon, j'ai eu de prendre les questions, mais apparemment, vous n'avez plus de questions. Oui, les femmes de l'eau ont souvent, il y en a qui ont peur de l'eau. Moi, j'aime juste marcher au bord de l'eau pour ramasser les coquillages, mais me laver jamais. Gel. Normalement, tu ne dois pas rentrer dans l'eau. L'eau, ça te fascine, ça te pousse à la mer. Pas rentrer normalement. Ok? Parfois, on se retrouve sous l'eau comme un poisson. Dans le rêve, non, c'est ça? Comment garder sa bénédiction? Non, ça, ce n'est pas la question auxquelles je réponds. Astuce pour bien casser un jeûne. Non, je ne sais pas. Va sur Google. Que signifie avoir un sang ancien? Qui t'a dit que tu as un sang ancien, Alexis? Demande à la personne qui t'a dit ça. Beaucoup d'entre vous, dans cette réincarnation-ci, on a effacé certains de vos programmes. Mais certains n'ont pas effacé, c'est encore là. Quand tu vois l'eau, il y a comme un truc dans toi qui fait que, particulièrement, j'aime pas trop me baigner. Mais j'aime aller au bord de l'eau. C'est un contraste. Il y en a qui doivent carrément, qui ont besoin de mouiller leur queue. Les gens aiment mettre ses pieds dans l'eau, c'est comme s'ils buvaient. Sérieusement, c'est fou, mais c'est ça. C'est pour ça que souvent les esprits vont te bouger, que tu as habité en face de l'eau. Ok, Léa, si tu lui as répondu, ça va. Ton métier te permet d'être à plein temps en contact avec de l'eau. Super. À cause de tes blocages, je n'ai pas reçu. Elisabeth Christine, si je travaille sur toi, en décembre, je me rappelle, je crois que j'étais à Abidjan. Je n'ai pas fait de vidéo. Et je vous ai dit, ceux qui demandent que je travaille sur eux, je fais de moins en moins de vidéos de travail. Parce que j'ai trop de scammers là-dedans. Donc, quelqu'un peut me demander, ok, envoie-moi, je ne vais plus montrer mon travail, je vais vous montrer ce que je fais. Mais si tu es concentré, j'ai une dame l'autre jour, j'ai travaillé sur elle et son fiancé et ses enfants. Même avant que je n'envoie la vidéo, elle me disait, je ne sais pas, est-ce que tu as travaillé sur nous?
Il y a eu ça, 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 ça. Elle avait déjà ses réponses. C'est quoi le masque de vieillesse et comment on le jette aux gens? En fait, elle ne veut pas savoir comment ça débarrasse, elle veut savoir comment on jette. Prudence, tu es venu pour avoir tes astuces de sorcière chez moi. Ouattara, tu vois, je n'ai pas répondu à ta question tout à l'heure parce que tu voulais te débarrasser de l'esprit de l'eau. On vous a appris que l'esprit de l'eau était mauvais. Que veux-tu faire qu'on est attiré par l'eau et que dans les rêves, on se retrouve dans l'eau? Rogue Nation. Tu dois être un roi marin. Les rois marins, ils sont rares, mais ils ont beaucoup de puissance en eux. Paye des lectures déjà pour savoir un peu plus sur tes dons et tes pouvoirs. Demande des consultations. Je ne suis pas la seule qui fait les consultations en ligne. Tu as beaucoup, tes bras surtout sont très chargés. Je ne sais pas si tu es quelqu'un qui a les bras costauds, mais je sens beaucoup de force dans tes bras. Et tu es quelqu'un peut-être grand ou costaud, mais avec beaucoup de compassion en toi. Tu as les outils spirituels que tu dois aussi acheter. Ok? Ok, tu me contactes après le live Dubaï, ok? Quand je dors, je me retrouve sous la mer dans une très belle maison avec piscine, avec des sirènes. Ok, classe. Tu sais déjà, tu as besoin, je fais comment? Mais Dieu, tu me dis que je suis belle. Ok, merci. Tu vas arriver au Gabon le mois prochain, tu aimerais me rencontrer. Je ne sais pas, si j'y suis, je fais généralement 3 à 4 jours dans un pays et je pars. Donc j'ai perdu mes caractéristiques de femme de zoo à cause des coups de la vie. Touche un peu tes seins, touche. Lulu, touche un peu ici là. Pourquoi les coups de la vie n'ont pas séché tes seins? Hein, mamie? Hein? Ok. Je crois que tu as les coups plus que Kyo. Je ne suis pas là pour écouter vos rêves, je vous en prie. On a voulu te marier à une femme de l'autre, tu as refusé. J'avais peur, j'ai fui quand les sirènes m'ont dit que c'était chez toi. Ok, classe, tu veux quoi donc? Si tu acceptes, tu acceptes. Si tu refuses, tu refuses. Ok, Elisabeth, tu dis que tu as eu un peu de changement et j'aimerais savoir si tu dois revoir le lavage ou pas. Beaucoup d'entre vous, quand vous arrivez, quand vous me contactez, Vous me suivez, le jour où vous dites que ok, je veux que la femme s'y travaille sur moi. Il y a beaucoup de blocages sur vous. Je vous le dis. Donc ne croyez pas que... c'est dommage quand même, si j'avais une application pour vous trouver dans vos maisons, c'est qu'elle vous gifle un peu. Souvent, quand vous parlez, on dit, paye le lavage à la femme là. Tu tournes. Paye le lavage demain, tourne. Une semaine plus tard, paye. Un mois. Tu tournes, tes choses sont bloquées. Bon. Comment je peux faire pour oublier mon ex? Ça fait déjà... Ça fait trop. J'en peux plus. Hey. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ton jambe devenir ses pieds. Oula. On te laisse, tu dis qu'on ne te prend pas. Souvent, tu rencontres un nouveau gars, tu dis, oh non, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mon ex! Si tu rencontres un nouveau gars, ne parle pas de ton ex. Mange le chocolat en paix, c'est quoi? C'est toi qui empêches de ton corps de t'oublier le gars là. Oh. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Je suis passé pour le programme de suivi. C'était déjà bouclé à lui. C'était déjà bouclé comment, je comprends pas. Ah, tu as 1m93. Ok. Tu as beaucoup de questions, Rogue Nation. Tu as beaucoup de questions. Je sens ça dans ton énergie. Et ta question, en fait, il y a un jour, on m'a donné ce truc. Attendez, je vais vous le dire.
Comment tu veux? Who the F did I marry? I don't want to watch that thing, but at the same time, I like to watch comments about it, you know. Okay. Écoutez bien, ça c'est pour le monsieur-ci. Il dit Rock Nation. Tu as beaucoup de questions. Si tu peux, tu fais une lecture. Tes questions sont dues au fait que tu as déjà la réponse à l'intérieur de toi. Donc, tu as déjà ta réponse. C'est pour ça que tu as autant de questions. C'est pour ça que les questions sont bien. Oui. Les questions sont bien. Et c'est pour ça que quand tu poses les questions, tu les as en train de poser. On ne te répond pas, tu reformules. On ne répond pas, tu reformules. Dans ta reformulation et ta recherche, tu reçois les réponses. C'est pour ça que le jour où tu trouves la réponse, parfois ce n'est même pas en cherchant. Donc tu as déposé une question quelque part sur une étagère là-bas. La poussière est déjà dessus. Et là tu tombes sur la réponse. Boum! Tu dis, oh my gosh. Oh my gosh. Oui. Parce que tu avais des questions. Voilà. Et parfois vous ne voulez juste pas. Parfois you just act dumb. I don't know why. Vous agissez bêtement. Ok, bon, je vais lire vos questions de TikTok. Facebook a arrêté de poser des questions. Tu rêves des serpents. Ça veut dire quoi? Et va sur Google. C'est quel programme de suivi? Bon, les relations karmiques, flammes jumelles, vous y croyez? C'est pas que tu y crois ou pas. Si tu t'es engagé dans ça, tu vas le subir. Mais généralement, les relations karmiques qu'on a, quand ces personnes reviennent, tu as déjà rencontré un homme, c'est tellement like just gonna stand here and watch me burn. That's alright because like you know, c'est il y a une attirance, mais en même temps, tu veux partir. Il y a une leçon, il y a des leçons. Je pense que les femmes jumelles, on vient d'abord, on se rencontre pour le plaisir d'abord de l'émotion que ça provoque. Rien n'est plus intense qu'une flamme jumelle. Même si cette flamme jumelle te fait du mal. La Dada Suprême, merci pour le compliment. Dans votre stock de produits ici, je peux avoir le chapeau. Oui. Si tu nous dis, il n'y en a pas, on te poste. On poste les produits là-bas tout le temps. Arsène, j'ai vu ta question. Quand une question ne me provoque pas, je ne réponds pas. Pourquoi on n'aime pas les femmes de l'eau? Je pense qu'il y a une conspiration contre les femmes de l'eau. Ce sont des femmes guerrières, des femmes invincibles. Quand elles veulent quelque chose, elles obtiennent. Donc très souvent, elles provoquent la jalousie des gens. Et elles sont incomprises. Parce que je crois que c'est un peu comme des empereurs. Empresses. Empresses. Comme des femmes empereurs. Elles sont très puissantes. Et quand une personne est puissante, mais ne sait pas qui elle est, généralement, vous comploter contre la personne. Petite poupie, le thème, c'est quoi? Ça, c'est une bonne question. Les relations karmiques sont réelles, papa. Pardon, laisse. Sarah Love, tu as peur de l'eau. Ok, tu me dis quelque chose, tu veux que je te dise ou pas? Comment savoir qui on est? Ta question est trop vaste. Parce que tu aimes les choses pour l'esprit, non? Est-ce que c'est difficile de se marier? Bon, parlons du mariage. Parlons du mariage. Parlons du mariage. Pour vous, le succès, c'est se marier? Qui vous a dit que les femmes de l'eau sont même censées se marier? Tu es une femme de l'eau, tu n'arrives pas à trouver le travail. Femme de l'eau, pas va. Les femmes de l'eau ne sont pas va. Je suis une femme de l'eau, je ne trouve pas. Et les femmes de l'eau, spirituellement, elles sont un peu plus avancées.
C'est rare de voir une femme de l'eau qui est bête. Elle a toujours une maturité là, genre. Elle est comme l'actrice du film. Tu vois, quand tu regardes le film de Jack Bauer, non? Quand on demande Jack Bauer, la première fois que la caméra tombe sur lui, tu connais que This is my guy. Donc les femmes de l'eau, généralement, elles ne sont pas un peu bêtes, elles ne sont pas bêtes. C'est naturel, c'est dans toi. Ouais. Ouais, on revient sur le mariage. On me disait quelque chose par rapport au mariage. Le mariage. Qui vous a dit que réussir sa vie, c'est se marier? Pourquoi tu rêves que tu es dans l'eau au milieu d'un groupe de sirènes? Tu es sûrement en pleine initiation dans ce rêve-là. Et les femmes de l'eau sont des femmes qui désirent toujours plus. They want more. Elles veulent plus. Comment savoir que tu es une femme de l'eau? Si tu te poses cette question, il y a 80% de chances que tu sois une femme de l'eau. Oui, les femmes de l'eau, oui. Ce sont des femmes généralement. Est-ce que je dois écouter mon intuition? Tu ne veux pas écouter ton intuition, pourquoi? Pourquoi certains choisissent sont stressés? Vous êtes stressé pour que ça ouvre vos dents. Tu rêves que la mer s'ouvre et tu parles aux habitants du monde marin. Et puis quoi? Une sirène te visite souvent et tu ne sais pas d'où elle vient. Tu me dis de t'aider comment? Pourquoi à chaque fois que je suis attaqué dans les rêves, je saute dans l'eau pour m'enfuir? Je n'aime pas vous lire les trucs parce que ça tombe toujours dans les rêves et je ne veux pas. Apprenez à vous lever et vous poser des questions sur vos rêves. Vous suivez? Les sirènes sont venues dans ta chambre, vous avez dansé, tes pieds ont changé. Où est ta question? Pourquoi les sirènes sont venues dans ta vie? Elles sont venues chercher leur soeur. Tu connais là où leur soeur se trouve? J'ai l'impression que je parle avec les amateurs, ça m'embête. Je ne peux pas perdre mon énergie sur vous. Vous avez suivi. Je vais faire l'étude des gens qui ont payé. Je ne fais que ce qui me donne l'argent. Et pour l'instant, là. Pour l'instant, non. Vous êtes éparpillés. Et je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas de différence entre le rêve et la réalité. Le rêve, c'est la continuité. Moi, je vais vous lire. Vous m'énervez. Bon. You know I can't get enough. Bon, je fais la lecture des gens. Can't get enough for you. I'm still in love. Who is calling? Arrêtez avec les questions alors. Pourquoi tu as peur de quitter ton conjoint? Parce que tu es indécise. Quitte-le. 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 Bon. Parfois, les gens perdent leur énergie en venant vous parler. On vous dit des choses, on vous montre, vous ne faites rien. It is a
It's a shame. You know, I can't get enough. Quand une femme se développe, tu veux qu'une fille soit délivrée de son esprit de sirène. Attendez, je cherche les gens avec qui elle doit te bloquer un peu ici. Oui, tu peux avoir de plusieurs éléments. Pourquoi les femmes de l'eau sont déçues des hommes? Les femmes de l'eau ne prennent pas la merde. Je vous ai des questions qui me fatiguent. Vous ne comprenez rien du tout. Attendez, je cherche les gens qui vont bloquer. Pas de maturité. Mon Lulu, je vais t'enlever aussi. Je vous enlève au hasard. Je veux quitter mon conjoint, j'ai peur. Je te bloque. Attendez, je dois enlever au moins 10 personnes sur mon direct ici. On peut partir en même temps. J'étais déjà bloqué. Kiams, bonjour. Tu avais disparu, Kiams. Zara Slow. Tu dois créer un autre compte si tu veux me suivre. Bon, cherchons encore. Notre client pour le blocage. Voilà, c'est bon. On s'arrête comme ça. Non, je bloque les gens. Il y a trop d'intrus dans le direct. Trop. Vous avez gâté l'énergie qui était là au départ. Mon conflit te plaît. Somi, quand tu viens intercéder pour les gens dans mon direct, tu te bloques. Tu suis. Si je me fâche, je fais quelque chose, tu parles, je te bloque. Bienvenue dans mon royaume. Voilà. Je te bloque. J'aime le mot bloquer jusqu'à. Pour moi, l'option blocage qu'on a mis sur WhatsApp, c'est la meilleure option de tous les temps. Jojo, bonsoir. C'est ta première fois de me suivre. Waouh, voici la photo d'une reine. Quand tu vois les bijoux qu'elle a mis sur elle et tu vois l'expression de son visage. Attendez, je vais vous montrer un peu. Je vais la couvrir. Je vais couvrir ses yeux. Regardez la reine ici. Si vous voyez le regard qu'elle a. Elle a un regard perçant. Quand tu découvres qui tu es, Lessie, merci. Quand tu découvres qui tu es, ton regard change. Parce que ton âme, c'est ici qu'on la voit. Ton assurance change. On te malmène plus comme avant. You know I can't get enough. Ok. Bon, je vais commencer mes lectures. Trop de bébés dans ce direct. Moi, je parle pas moi avec les bébés. Vous fatiguez. On vous explique n'importe comment, vous n'allez pas comprendre. Du coup, I cannot waste my time. Maman, vous avez payé les lectures jusqu'à. J'ai au moins 20, 40, 40 personnes à lire. Oui, tu me dis. Manier la chatue. Regarde comment il te bloque. Il te bloque. Comment il te bloque. J'ai vu ta question. Mais... Bon, commençons. Je fais la lecture, vous écoutez. Si ça ne vous intéresse pas, je m'excuse. Vous pouvez avancer calmement. Donc on commence, ils sont nombreux aujourd'hui.
vais lire ton fils. Première chose, avec le père de cet enfant, tu as fait une sorte de contrat d'âme qui n'était pas trop en sa faveur. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille sur lui. C'est aussi un enfant qui réfléchit beaucoup, intelligent à l'école, il sait ce qu'il veut. Tu devras le diriger dans le commerce, marketing, business. Il a ce don là, du trading. C'est aussi un être spirituel. Je crois que tu lui as passé ce que tu as. Oui. Cette connexion. Il y a une prison dont tu devras le sortir. Il y a beaucoup de travail que tu as fait sur lui en tant que maman. Et tes projets que tu as toujours formés sur cet enfant ont été attaqués par les gens. Donc, il faut que tu sois vigilante. Si tu veux le faire venir avec toi là-bas en France et tout ça, il y a une opportunité qui arrivera bientôt. Mais ne la partage pas avec n'importe qui. Je vois beaucoup de membres de ta famille qui ont voulu le mettre sur une mauvaise voie. Mais il y a quelqu'un qui va t'aider. Peut-être que tu ne trouvais pas, mais tu vas trouver quelqu'un qui va t'aider pour une procédure qui va marcher cette fois. Et c'est aussi quelqu'un qui a le don de l'enseignement. Donc plus tard, si tu peux le guider sur cette voie-là, ce serait super. Il y a quelqu'un, il y a de l'aide qui arrive. Quelqu'un va t'aider par rapport à cet enfant. Quelqu'un va t'aider par rapport à cet enfant. Allume une bougie à son honneur chez toi 7 jours. 7 jours. Pas 6, mais 7 jours. Bonsoir, Vanessa Vianney. Tu fais la lecture. Ce qu'ils ont pour la dame aussi. Salut madame, vous avez demandé une lecture. Beaucoup d'opportunités vont se présenter à vous. Opportunités de voyage, de business aussi. Il y a des événements imprévus qui ont un peu secoué vos programmes. Donc vous demandez de ne pas vous décourager. Quelqu'un viendra vous tendre la main pour vous aider à gravir les échelons. Oui. Bon, il y a aussi beaucoup de confusion. Peut-être que tu as lancé un projet que tu croyais que Dieu t'a dit de faire. Ça n'a pas marché comme tu voulais. Et là, tu te dis, ah, peut-être que Dieu m'a oublié. Peut-être que j'ai mal entendu la voix de Dieu. On me dit, t'es dit que non, ce n'est pas le cas. Tu as les dons de guérison aussi. Et tu es une femme aussi très entrepreneur, qui ne dort jamais. Tu sais comment te sortir des mauvaises situations. Tu dois travailler sur toi. Tu as beaucoup négligé le travail spirituel. Et tu as aussi le don de l'art oratoire. Mais je vois que tu négliges beaucoup tes dons. Je ne sais pas pourquoi. Tu parles bien. Et tu as aussi quelqu'un que tu peux prier pour les gens, ça marche. Il faut enseigner aussi. Peut-être ce sera peut-être ton gars. Tu peux voir les blocages des gens. Tu peux voir les dons des gens. Oui. Tu as cette capacité. On peut dire que tu es une voyante. Je veux voir ce qui m'a dit. Yes, thank you very much. Monsieur Akigé, donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Monsieur Akigé. Monsieur Akigé! Monsieur Akigé! Oh là. Je mets les toques ok. Au Cameroun, je ne peux pas rester, j'appelle quelqu'un comme ça, ne me voit pas. Bon, tu as le don de voir
de voir. Tu peux lire les gens. Mais apparemment, c'est comme si tu as un peu refusé l'appel qu'on t'a donné. Tu peux prédire les événements. Et on me dit que parfois, si tu as quelque chose qui échoue, c'est parce qu'on t'a dit, tu n'as pas écouté. Donc, il faut prêter attention à ce qu'ils te disent. Oui, il faut prêter attention à ce qu'ils te disent. Tu es très superficiel. Tu ne prends pas ce qu'on t'a dit au sérieux. Voilà. Quel prix. Dans mes... Fatih, je vois très bien ce que tu as dit. Je n'affole pas les gens avec mes lectures. Même si je vois, quand j'ai lu, j'ai vu ce que tu as dit là. Je ne dirai jamais à quelqu'un que je vois la magie noire sur toi. Te dis que tu as la magie noire sur toi sans te dire clairement ce que tu dois faire. Elle va passer une semaine, un mois, un an, je ne sais pas. Tout ce qui va l'obséder, et je connais les gens, je vous connais. J'ai la magie noire sur moi. Et généralement, les gens ne vont pas te voir les voyants. Ils ne veulent pas savoir la résolution de leurs problèmes. Ils veulent juste savoir qui les a dérangés, ce qu'on leur a lancé. Je dis, mais non. Pourquoi vous ne demandez pas la suite? Donc, malheureusement pour vous, vous ne viendrez jamais à moi, je vais vous dire, oh, vous avez... Même si elle voit, elle ne te dit pas. Par contre, je vais te mettre l'accent sur, je vais te dire, va faire ça. Mais je ne vais pas te dire que je vais ça sur toi. Fatih, je comprends très bien que ce n'est pas ton problème. Je pense que si cette dame peut lire les gens, il faut qu'elle le fasse. Je connais très bien ce genre de personnes. Et c'est le genre que vous aimez. Il y a la magie noire sur toi. Dès qu'on te dit, qu'est-ce qui se passe? Même moi, hein, avec vous les abonnés, là, je dois faire trop attention. Souvent, il y a des soi-disant, je connais la spiritualité, qui vont venir me dire, oh, j'ai vu ça sur toi, j'ai vu ça sur toi. Il dit que tu as frappé à la mauvaise porte. Moi, quand les scammers là vous prennent, ils vous prennent comment? Ou je viens voir sur toi. Si un jour quelqu'un te dit, ou t'écrit avec ma photo, que j'ai vu ça sur toi, ou il faut, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Des gens qui me demandent une carte là, attendez, je vous bloque. Attendez, je vous bloque. Une carte pour moi, bloquée. Qui a encore demandé la carte là? Une carte pour moi bloquée. Je n'aime pas le mot s'il te plaît. Bloqué. Vous pouvez être pauvre dans votre vie. Si tu as l'argent, tu payes. Tu n'as pas l'argent, tu te tais. Moi, la vie est simple. Voilà. Et le jour où il vient chez toi, ne me laisse pas entrer. Je vous préviens encore, parce que quand vous venez sur mon direct, j'ai des personnes qui viennent vous piocher, vous écrivent en inbox. If you crave, si tu as faim, tu te nourris des mauvaises nouvelles, tu auras ton compte. Je t'ai dit. Tu auras ton compte. Ouh, je vois ça sur toi. Parfois, quand vous venez vers moi, vous faites ça, non. Ah, j'ai mal dormi, mais ça veut dire quoi? Tu t'es là-bas, c'est la main dormi. Tu as mis le truc autour de toi. Non, je n'ai pas fait. Tu attendais qu'elle te dise que quelqu'un te voulait te soucier, te prendre ton énergie, non? Te prendre à son sérieux, n'est-ce pas? Va te laver, celle. Vous aimez trop ça. Vous ne me direz jamais ce qu'on ne m'a pas dit de vous dire. Voilà. Point barre.
lecture de carte, il y a mon numéro là-bas. Je suis venu en Côte d'Ivoire, tu ne m'as pas vu. J'ai fait 2 semaines et demie en Côte d'Ivoire. Tout quand il y avait la canne là, j'étais là. Et quand je vous entrez dans mes vidéos, je vous dis toujours, si tu veux me voir quand j'arrive dans un pays, paye. Quand je viens, mes secrétaires vont te contacter. Maintenant, si tu n'as pas de sorcellerie, on ne va jamais sauver. Ok? On gagne ça. Comment vous pouvez mettre... Vous mettez le prénom de l'enfant de sa femme. Pourquoi? L'enfant a 3 noms de famille. Et il est en Bénin. Pourquoi vous faites ça? Tu m'as vu au stade lors du match des Nigériens. J'ai crié là-bas jusqu'à. Oui. Et ils n'ont pas gagné. Oui, j'étais au stade. Bon. Pour cet enfant a un très bon cœur. Waouh. Tu devras travailler sur lui, maman. C'est une sorte de chaman. Il faut lui apprendre très tôt à faire des dons. C'est ça la caille des dons. Ne confie pas à n'importe qui parce qu'on pourrait te tromper par rapport à lui. Et pour son avenir, demande à Dieu. Demande. Ne prends pas trop le conseil des gens. Tu veux juste faire connaissance avec moi. Tu veux me connaître. Oh, tu veux me connaître. Oh Seigneur. Vous n'avez rien à faire dans votre vie. Tu me vois ici comme ça en ligne. Tu veux venir me voir pour faire connaissance. Donc tu arrives de moi, tu dis hey. Des fois c'est hey. Il dit, ça va? Il dit, ça va. Monsieur, il faut aller travailler. Allez chercher vos petites influenceuses. Bon. Il faudra qu'on travaille sur cet enfant pour qu'il n'y ait pas des réclamations de son côté paternel qui vont le déranger. Oui. Il doit avoir des contrats sur sa tête. Et ça pourra, ça pourra bloquer son cycle scolaire. Un enfant aussi qu'il a le don de la parole, l'art oratoire. Il pourrait bien être un dirigeant, peut-être un juge ou un avocat demain. Il a fait de longues études. Il est censé faire de longues études. Et aussi beaucoup voyager. Les voyages sont dans son aura. Il va beaucoup aider les gens. Ce qu'il doit faire comme mission de vie, c'est quelque chose qui va influencer ou impacter beaucoup de personnes. Il faudra que tu lui permettes vraiment. Travaille sur lui dès l'enfance déjà maintenant. Et il peut voir aussi. Il est très intuitif. Je ne raconte pas les rêves des gens ici, monsieur banquier. Je n'interprète pas les rêves. Je vais me laisser. Si je peux laver mon garçon, c'est... Mais oui. Le sel ne tue pas. N'aime pas qu'on me paye mon temps. Hein. Le temps, c'est de l'argent. Time is money. Oh, tu vas envoyer le pistolet. Pour faire quoi, chérie? Bonsoir. Tu dois un peu changer tes pensées ou ta façon de voir certaines choses. Oui.
spirituel, mais vos blocages viennent de l'enfance. Quand ta famille vous a bloqué depuis l'enfance, tu es censé avoir du succès dans le business. Maintenant, tu as aussi dû affronter la solitude. Très souvent, tu as été appelé à être seul et incomprise de ta famille. Donc, tu t'es renfermé un peu sur toi. Malheureusement, tu n'as pas beaucoup travaillé sur toi. Tu n'as pas beaucoup fait de travail spirituel. Ce qui fait que c'est pas gravé dans une sorte de prison. Oui. Il faut que tu sois décisif. On dit qu'il faut que tu sois décisif. Un peu comme depuis ces derniers temps, tu travailles sur toi à fond. Quand tu as des promotions qui arrivent, l'argent va augmenter. Tu vas aussi passer être à ton compte finalement. Beaucoup d'opportunités. Waouh! Franchement, beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Et tu vas pouvoir clôturer des deals. Donc parler, ça va te clôturer des deals. Tes dons, on me demande de développer tes dons, même si c'est en cachette. Même si tu dois te cacher pour le faire. Même si on ne te voit pas encore pendant que tu les développes, fais-le. Parce que ça va aider. À un moment, ça va parler. À un moment, ça va donner. Voilà. Et le moment est proche, en fait. Tu es aussi une bonne planificatrice. Donc, n'aie pas peur de planifier. N'aie pas peur. Oui. Planifie, prévois, rêve grand. Et tu vas voir, il y aura des portes qui vont s'ouvrir. Manuela, j'ai dit tout à l'heure qu'elle devait être bloquée. Je t'ai dit ça. Voilà. Elle fut bloquée. Mouillon. Tu vas réussir, tu dois acheter des objets spirituels pour mettre sur toi. Bon, ce qu'on a fait sur toi, tu as essayé de faire tes papiers plusieurs fois pour aller en banque. Donc ça va se... il faut relancer, relance. Ça va se concrétiser. Maintenant, tu as beaucoup de manque de confiance en toi. Quand Dieu te parle, tu ne crois pas que ça va se passer. Mais pourtant, fais beaucoup de dons dans les orphelinats. Ça va ouvrir les portes de ce que tu as commencé, ça n'a pas donné. Donc quand Dieu te parle, il faut obéir. Comme ça, ça va lui permettre de faire sa part. On a aussi fait un travail sur toi, genre on t'a bloqué de telle façon que tu travailles beaucoup, ça donne peu. Mm-hmm. Tu as aussi ton mental, tu es très créatif, tu as beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées. Et il faut que tu les mettes en pratique. N'aie pas peur d'exprimer, de dire ce que tu veux faire, ce que tu ressens. Donc, tu vas réussir. Merci pour le fusil. Tu as le don de l'enseignement aussi. Il faut acheter des objets spirituels, tu les portes. Et un bâton de commandement. Tu allumes les bougies chez toi pendant 7 jours. Et tu as le don de la force. Tu es un peu comme si c'est toi qui vas briser les malédictions familiales. N'abandonne pas parce que je sens un peu comme une vague d'onde de découragement qui va vouloir venir sur toi. Et tu dois asperger le sel chez toi. Là, ta maison avait le sel. Voilà. Bonjour ceux qui veulent les tirages. Si vous voulez la consultation, vous payez la consultation, je vous parle maintenant. Si tu ne veux pas que je te parle devant les gens, tu appelles sur WhatsApp, je te parle en audio. Si tu ne veux pas, je te parle en audio, donc ils ne connaîtront pas ton identité. Mais si tu attends après, là, je n'aurai pas le temps pour consulter. J'ai beaucoup de choses à faire dans la journée. Si tu commences une activité, tu tombes malade, il faut travailler sur toi. Pour payer, tu as le numéro dans ma bio. Les deux numéros, c'est orange. Écrit sur un de ces numéros. De préférence, prenez le premier numéro.
ou bien tu cliques sur le lien. Il y a un lien Bitly, B-I-T-L-Y. Donc, tu cliques dessus, Bitly. Ça, ça conduit dans le WhatsApp. Tu dis, je veux payer. Bon, Adjo Akpo. Attends, je vais te lire 5 cartes. Je lis mes cartes à 20 000 francs. Adjo, je vais te lire. Je ne voulais pas que tu payes. Ne payez pas sur TikTok. Moi, franchement, ils me prennent trop de sous. Le jour où j'ai découvert combien ils se faisaient sur moi, je dis, moi, je suis Bami. I am Bami. Donc, Adjo, Eric, je reste 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Il faut que tu portes des objets spirituels. Je crois qu'ils ont beaucoup combattu ça chez toi. Perle, si tu as payé et je n'étais pas lu, tu écris, tu demandes. Et si je n'étais pas toujours lu dans 2 semaines, pardon, demande le remboursement, je t'en prie. Tu as compris? Ou tu demandes qu'on te convertisse en lavage. Je travaille d'abord sur toi. Donc, Adjo, tu dois acheter des objets spirituels, tu mets, tu portes. Tu es aussi très créatif. Si tu agissais sur tes idées, décoration d'intérieur, architecture, quelque chose qui va embellir l'environnement des gens. Si tu faisais ça, ce serait cool. Et tu as aussi beaucoup travaillé, peut-être pour un boss, et tu es dans une saison de récolte qui est en train d'arriver. Ta saison de récolte arrive. Voilà. Quatrième carte. Voilà. Ta saison d'activation arrive. J'ai parlé des avancées. Tu as des trucs que tu attends, c'est en train de venir. Pose des questions à tes guides. Tu ne parles pas très souvent à tes guides. Parle-leur directement. Oui, ils vont te répondre. Est-ce que je dois servir Dieu, mais mon mari avec qui je suis séparé depuis plus d'un an m'empêche? Tu es séparé avec ton mari, t'empêche comment, mamie? D'un autre côté, je sais que je dois retourner chez moi, mais je suis embêtée. Dieu m'a demandé de faire une offrande de sacrifice. Je suis confuse à tous les niveaux. Émile Jouela, tout dans la vie, c'est un choix. Parfois, vous dites que Dieu vous a parlé, mais les paroles de Dieu ont été trop teintées par les pensées de votre pasteur. Tu comprends, chérie? Servir Dieu ne veut pas dire ce que tu vas souffrir, famille. Tu comprends? Malheureusement, beaucoup de chrétiens qui me suivent, vous revenez d'un background ou d'une doctrine qui est bondée de doctrines qui vous tuent, en fait. Tout ce qui t'amène vers la pauvreté. Je dis financière. Hein. Si c'est l'homme qui t'amène vers la pauvreté, fuis. Si c'est la région, fuis. C'est que tu n'es pas sur le bon créneau. Voilà ton indicateur pour faire ton choix, ma chérie. Mais comme on vous a dit que Dieu aime les gens qui sont pauvres, que Dieu aime les gens qui sont meek. What is meek in English? Docile, quoi. Yves, je peux te faire une vision. Ok. Adjo n'a pas suivi. Hein? Oh my goodness. Moi, je ne le lis plus. Oh. Adjo, je ne le lis plus. Je ne te dis, je te l'assure. C'est que tu as perdu ton argent. Vous croyez que je fais les voix aux gens? Pourquoi? Parce que moi, je vous connais. Souvent, il te casse, tu plonges dans l'énergie de quelqu'un, tu vois. Après, il te dit que je n'ai pas bien suivi. Il dit, mamie, pardon, voilà, il a fait ça. Je le sais. Ma grand-mère disait que mon côté est mignon. Peut-être que vous avez lu, vous pensez que c'est facile, n'est-ce pas? Allô? Oui. Maman, pardon, regarde, fais le voice, tu peux, fais-moi un voice, je suis en direct, ok? Je vais écouter sur mon chemin pour rentrer, ici. Adjo, je vais te bloquer, hein? Tu es nouvelle sur ma page,
Je ne veux pas le stress, ne me stressez pas. Continue mes lectures. Quand les enseignants m'ont appelé, je leur ai dit que je ne veux pas stresser pour le travail. Maman, il n'y a pas de problème. Je t'ai dit, si tu écris, voilà le numéro dans ma bio. Je suis en train de lire les gens, je fais les voices. S'il te plaît. Ok. On va lire la jeune fille ici. Donc, tu as le don de la... Tu es très généreuse et tu as un très bon cœur. Il faut te laver constamment au sel. Vraiment, tu te laves, mais tu te laves. Après, tu arrêtes. Oui. Donc, il faut faire... Donc tu dois être sur les réseaux sociaux, tu as un beau visage, il faut que tu fasses une page sur laquelle tu publies tes messages. Oui, la page là va aider les gens. Au moment que tu reçois beaucoup, tu télécharges beaucoup tu télécharges beaucoup de choses venant de tes guides. Donc les réseaux sociaux, tu dois y être. Tu es épuisé actuellement ou fatigué ou bien embrouillé. J'entends le mot embrouillé parce que tu n'es pas sur la voie qu'ils veulent pour toi. Mais quand on te montre l'autre voie, tu te dis ah, ok, on montre que tu aimes beaucoup les belles voitures, la belle vie. On me dit, te dit que dans ce qu'on t'appelle à faire, il y a aussi ce que tu aimes, le luxe. Tu es aussi connecté aux astres. Les jours où tu te décides que non, je vais faire ça, tu fais. Ton esprit, tu connais la direction que tu dois suivre, tu connais. Et tu as le pouvoir de la terre. Donc il faut souvent faire une libation avec du jus, fanta. Tu verses le fanta sur la terre, tu parles. Tu vas aussi dans un orphelinat. Waouh, tu seras la première milliardaire. J'ai vu l'argent tout à l'heure, il t'a dit que tu aimes l'argent. Tu seras la première milliardaire de ta famille si tu t'écoutes en fait, si tu écoutes ton intuition. Il ne faut pas avoir peur des gens de ta famille. Ok? Même si tu es envoûté, tu peux les envoûter en retour. Et tu as aussi le pouvoir de l'eau. Donc tu as le pouvoir de la terre et le pouvoir de l'eau. Je ne sais pas de quelle partie de Libreville tu es, mais on montre que tu as le pouvoir de l'eau. Donc, va peut-être dans ton village, ou bien s'il y a de l'eau dans ton village, on me montre dans ton village. Tu vas là-bas. Tu vas à l'eau là-bas. Tu prends l'eau là-bas, tu te laves avec. Mon numéro est dans la bio, ouais. Ceux qui veulent des lectures, mon numéro est dans la bio. Je pense à vous comment faire tout. Je ne lis pas les gens en ligne comme ça. Mes consultations sont payantes. Comment faire pour que Ange te revienne? Comment voilà, tu as fait mes lectures. Vous m'avez dit chercher. Quelqu'un vous quitte, vous êtes derrière. Bonjour Fabi. Je vais voir ce qu'ils ont pour toi. C'est 20 000 francs les lectures. 20 000 francs. 32 euros. 30.
$35 américains. Donc tu dois mettre, achète l'œil de tigre, le bracelet, tu portes, je crois que c'était tes bijoux spirituels, ça va un peu te renforcer l'énergie. Et tu as le pouvoir de la paix, une personne que tu as le pouvoir de la paix. Donc tu peux facilement, je te vois aussi comme si ton aura d'argent a augmenté. Oui, tu parles avec les esprits, donc tu connais. Quand quelque chose de bien va t'arriver, tu connais. Maintenant, on te demande d'obéir plus en fait. Parce qu'on me dit, tu connais, mais tu, finalement, tu ne fais pas ce qu'ils te disent de faire. Si tu attends des papiers, tes papiers vont marcher, ça va bientôt sortir. Maintenant, il faut que tu aies plus confiance en toi. C'est voir la confiance en toi qui gâche un peu. Ça gâche ta connexion en fait. On manque de confiance en soi, pardon. Ça gâche ta connexion avec, avec les ancêtres. Une connexion très, très forte. Mais c'est toi-même qui te gâte. Voilà, il te protège beaucoup. Moi, comme il te protège. Tu es protégé, mais je vois bon, c'est les jours où tu te dis, ah, est-ce que tout ça là est même vrai? Donc, tu as une bataille mentale en fait. Mm-hmm. Il y a aussi beaucoup de jalousie autour de toi. Peut-être les gens de ton travail, mais tu n'abandonnes pas parce que tu as aussi un esprit de rebelle. Donc, tu es un peu en contraste. Tu peux être douce et agressive en même temps. Et tes rêves, tu vas reprendre les rêves que tu avais abandonnés quand tu es arrivé dans le pays où tu es. Voilà, ils me pointent deux fois les rêves. Deux fois. Tes rêves, tes projets, en fait. Quand on parle de rêve, c'est ta vision. Ce que tu rêvais de faire. Donc, il faut que tu reprennes. Ça va s'accomplir. Là, ton pouvoir est en train d'augmenter. Ton pouvoir augmente. Et il faut faire le kit fondation si tu ne l'as pas encore fait. Après ce kit-là, tu fais le kit. Tu prends le bâton de commandement, Lion. Et tu demandes. Un lavage à distance et un détachement. Le lavage n'est pas en promo, mais ceux qui ont que j'ai soigné dans les deux derniers mois, c'est-à-dire décembre et janvier, si vous me prouvez que je vous ai soigné le mois passé ou je suis passé, vous pouvez prendre, vous avez une réduction de 40%. En fonction de combien ils s'en sortent dans la période d'essai, après la période d'essai, on va monter maintenant. Vous allez augmenter 50 000 dessus. Bon, on a terminé. Je reprends les lectures. Emmanuel, la balle à la tête des blocs.
pas le voir Christophe. Vous me laissez. Je n'ai pas à Libreville, mais à Oyem, au nord du Gabon. Oui, pour le moment, ça reste ici. On vous a donné l'information, vous allez regarder chez vous. Bon, monsieur Kevin, dommage que je n'ai pas pu l'avoir. Il m'a laissé une note que j'ai écoutée. Il m'a envoyé le lien, ça va descendre demain. Je suis juste en train de venir avec M. Abessoro. Oui, bon, comment je fais un rapport? D'accord. Putain, je vais parler. Monsieur Bala, s'il vous plaît, envoyez les liens de formation. Il doit recevoir ça ce soir. Je crois que c'est ce que vous étiez censé faire. Monsieur... Une minute. Appelez Monsieur Mbala pour lui demander d'envoyer les liens de formation ici au Gabon. Oui, dites-moi. Par rapport à la partie. Vu qu'on n'a pas Monsieur Abissou pour me rappeler tout à l'heure, je ne sais pas si il va faire. Je crois qu'il y a des vêtements là-dedans. Ouvre un peu pour voir s'il y a des polos là-bas. Je ne sais pas la raison des polos. Je vais reprendre les lectures. Super bien, Didier. Vous arrivez à voir. Il y a des t-shirts et des polos. Les polos sont blancs, les t-shirts, les polos blancs et jaunes. Et je lisais un peu ce qu'il y a sur les t-shirts. Oui, c'est ça, futur milliardaire, c'est ça. Regardez, c'est votre taille, ça c'est l'un d'entre eux. D'allumer aussi en même temps, ça va. Formation couronnement, ça coûte combien? Diamond Lady, tu as mon inbox. Écris, tu demandes à mes secrétaires. Vous trouvez? Regardez un peu dans celui d'à côté. À côté de vous là-bas. Il n'y a rien. Ok. Non, non, ça c'est l'autre t-shirt qu'on vend, j'ai choisi, non. Ça va, ça veut dire que portez celui-là demain et puis ils vont vous montrer là où les polos sont. Poussez ça des si je dois, je n'arrive pas à la voir. Vous voyez quelque chose à vos sols? Oui, oui. Oh.
On reprend bientôt. Ça, c'est mon pays. Je sais juste, je vais prendre. Je veux que ça aille là où je suis. C'est fort. Je veux ramasser en fait. Merci. Ah, d'accord. Voilà. Thank you. Merci, monsieur. À demain. Je ne fais pas de. Oui, il va revenir fermé. Je rabatte. Rabattez juste, c'est bon. Merci. Tu m'as donné la casquette alors que j'étais en bas là-bas. Merci. Merci pour la casquette. Il y a une dame, on continue nos lectures. Ça, c'était mon collaborateur qui est rentré. Ok, ma chérie. Ta lecture, beaucoup de culpabilité. Tu dois te pardonner. Tu dois te pardonner, ma chérie. Pardonne-toi d'avoir échoué. Pardonne-toi de ne t'être pas écouté. Donc, tu es aussi quelqu'un que tu communiques, tu écoutes bien la voix des ancêtres. Mais quand tu écoutes, tu ne fais pas ce qu'ils te montrent en fait. T'achètes des bijoux spirituels, tu mets sur toi. En fait, tu as beaucoup négligé ton côté spirituel qu'on peut voir en fait, genre les vêtements, les choses comme ça. Et tu culpabilises aussi beaucoup. Peut-être tu as été dans le passé avec quelqu'un qui était spirituel, tu n'as pas écouté, ou bien tu as conseillé quelqu'un qui n'a pas écouté. Et tu parles souvent beaucoup, mais depuis que tu culpabilises, tu as un peu stoppé, tu as arrêté de parler en fait. Oui. Donc, tu es en train de traverser aussi une guérison d'âme. Et c'est dû au fait que on t'a fait beaucoup. On a abusé de toi, on t'a utilisé, on t'a jeté. Ça t'a fait mal en fait. Oui. Donc, si tu as la paperasse qui va être faite, peut-être tu vas t'enregistrer comme. Peut-être à ton compte, quelque chose comme ça. Et ça va te permettre d'être indépendant parce que tu as toujours vu ton indépendance. Dans t'as des personnes qui sont venues autour de toi, qui ont vu ton potentiel, qui se sont accrochées à toi pour ce que tu peux faire pour elles ou ce qu'elles peuvent tirer de votre collaboration. Mais ces personnes-là ne t'ont pas donné ce qu'elles t'ont promis. Donc ça t'a un peu... Ça t'a fait mal. Donc, tu es une guérisseuse, mais tu dois d'abord... Il y a d'abord ton processus de guérison qui a commencé. Donc, je te dis que tu vas d'abord guérir et après, tes gens vont venir. Voilà. Et tu vas les guérir. Donc prends soin de toi. Si tu as déjà fait le kit fondation, c'est bon. Mais tu as la personne que tu peux un peu durci. On te demande ce que tu as fait, tu ne fais pas. Si c'est le cas, vraiment, force-toi pour faire certaines choses. Fais un soin énergétique, un nettoyage énergétique. Un détachement. Prends le détachement et le rituel pour couper les cordes. Si tu penses encore à un ex ou à quelqu'un comme ça, et ça te ralentit. Si je peux trouver une femme douce. Oui, le poisson d'eau douce, on vend ça au marché, c'est sûr. Si tu culpabilises, c'est ce que c'est toi. Tu veux renforcer l'amour. Je suis forte, j'ai fait quoi, mamie? Please, oh. I don't like flattery. Les flatteries ont goût amer quand ça finit. Ne me racontez pas vos rêves. Je ne veux pas savoir vos rêves.
Le matin, vous me dites exactement combien vous avez reçu. Ok. Voilà, important d'abord. Combien vous avez reçu de celui qui garde l'argent le soir? Et comment est-ce que les sous sont repartis? Tous les sous que vous avez, vous me dites combien c'est réparti? Comment c'est réparti? Tu veux te marier? Mais marie-toi, non. Les fatteries ont un goût amer parce que c'est sucré au départ. Quand tu viens de sucer, ça laisse un goût amer dans la bouche. C'est comme un bonbon sucré amer. Emma, hello. What a kind message. Thank you so much. Thank you so much. People don't like when you're blunt. I'm not even blunt, you know. I need to be more than this. Mm-hmm. Bon, on continue nos lectures. Tu connais les flatteries, tu es artiste. Je n'aime pas les flatteries. Tu vois, souvent tu restes comme ça, non? La mère vous laisse à la maison. Elle dit, nettoie la vaisselle, nettoie la maison. Tu restes juste à soi. Tes frères nettoient partout. Tu es sur la télé, tu es sur Netflix. Tu es là comme ça. Maman rentre. Elle dit, oh mes enfants, vous êtes merveilleux. Vous avez tout nettoyé. Oh vraiment, vraiment. Et la mère te pointe, elle dit que je suis sûre que c'est même Justine qui a tout nettoyé. Je suis sûre que c'est Coco qui a nettoyé, vraiment. Les enfants, je suis sûre que vous étiez couché là-bas, vous ne faisiez. Et Coco connaît que ce n'est pas avec elle, elle n'a pas nettoyé. Et voilà le genre de Frédéric qu'il n'aime pas. I don't like to take credit for what I didn't do. I don't like. Bon, continuons. On avance à petits pas. Tu veux savoir si ta situation financière va s'améliorer? Bon, si tu ne travailles pas, ça ne va pas s'améliorer. Il faut travailler pour manger. Il faut travailler. Les parents n'ont pas droit au pain. On chantait ça quand on partait à l'école, quand on était tout petit là. Qui a le dossier de ma vie de couple? Vous me prenez pour votre... Attendez, j'arrive. Je vais te bloquer les astuces de samedi. Attends, fais une lecture. Je vais te bloquer, mamie. Chose promise, chose à faire. Bon, on va lire Martine. Je crois que j'ai déjà lu Martine. Bon, je n'avais pas lu Martine. J'avais lu Martine. Martine, je t'avais lu. Oui, oui, je travaille sur les enfants qui sont agressifs. Là. Les enfants qui sont désobéissants, agressifs. Vous savez, j'ai juste envie de vous donner une note d'encouragement. Vos choses vont marcher. Je vois en fait certaines parmi vous ici là, vous avez fait des trucs petit à petit, petit à petit, petit à petit. Là on me dit de vous dire que ça va marcher. Tu vas rester au moment où ça, tu vas te dire waouh, j'ai construit ça.
Waouh, c'est moi qui ai fait ça. Oui. Du coup, de toi. Tu vas te dire, franchement. Voilà, petite nièce de Manou, mais tu t'es faite seule. Yohan, tu reviens. Non, on t'attend. Tant que tu ne dis pas que tu es ici, là, je vais stopper le direct pour toi. Il n'est même pas tenu 10 secondes. Alors, vous me laissez. My attention span, eh? On dit attention span. Very, very small. Aujourd'hui, je veux ça. Demain, je veux l'autre. Après demain, je veux ça. Eh, okay, pardon, laissez-moi. Cécilia, tu as fait les mauvaises choses. Tu sais que les gars écrivent ça, elle a l'impression que je la fais résoudre. Quand les gars comme ça, tu fais la mauvaise chose. Tu as fait la maman avec quelqu'un. Hmm? Vous avez joué au père et à la mère. Hein? Non, Brenda, c'est ma. Écoutez, je vais vous dire. Il était une fois, maman Chantal. Ma mère s'appelle en fait. Je ne te réponds pas, je parle de ma mère. Ma mère s'appelle Chantal, mon père s'appelle Paul. Il dit, je ne vais pas être ton problème, pourquoi? Ils nous ont accouchés. Hmm? On est sortis avec quelques années d'écart. Mais en esprit, on était tous les deux dans les mains. Hmm? Ils nous ont regardés comme ça. Comme on savait que je suis choisie, on voulait m'envoyer en exil. Je m'ai envoyé à Côte d'Ivoire. Je vous dis souvent que je suis une Camerounaise qui a vécu en Côte d'Ivoire. Non, je suis une Ivoirienne qui a grandi au Cameroun. Non, Camerounaise qui a grandi en Côte d'Ivoire. Non, Ivoirienne qui a grandi au Cameroun. Oui, Ivoirienne qui a grandi au Cameroun. Ça va gâter mon histoire. Bon, disons quand même. Ils m'ont envoyé en exil à Yamoussoukro. Oui. 5 ans plus tard, je suis revenue au Cameroun. Ma mère m'a repêché. Ma mère s'appelle Maman Aurélie. Et Papa Paul savait que les étapes de la vie allaient me travailler. Oui, que j'allais devenir comme vous voyez là. C'est pour ça que vous me voyez. Donc je ressemble, Brenda et moi on se ressemble, mais Papa connaît. Je lui ai dit qu'il a beaucoup gâté. Il a gâté. Il devait un peu la taper parce qu'il m'a envoyé chez les gens qui étaient pauvres, on me fouettait tout le temps. Oui. C'est pour ça que je ressemble à ma soeur. Donc quand vous avez venu me dire que je ressemble à Brenda, je sais, c'est ma soeur. C'est ma soeur. Bon, maintenant, elle a commencé à faire des chansons où elle parle des bad bees. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. J'ai appelé papa l'autre jour, je lui ai dit que regarde ce que ma soeur fait. Je vais débarquer avec la fouetter. Voilà. Bon. Il dit qu'il ne peut pas la taper. Parce qu'il n'a pas habitué à ça. C'est pas grave. Je ne suis pas seule dans mon corps ni dans ma tête. Laissez-moi faire ma fouille.
Je devrais faire du stand-up. Je devrais mettre mes témoignages ensemble. Elle me vend le kio, mon kidnappé. Brenda, c'est ma petite soeur. Ouais, Seigneur, pourquoi c'est quoi? Vous voyez quelqu'un qui lui ressemble, qui lui ressemble, lui ressemble. C'est ma petite soeur. Lisa, je viens faire un duel. J'ai compris. Il arrive. Ce qui me plaît le plus chez nous, ce sont nos yeux. Oui, classe et drôle. J'aime beaucoup les stand-up, parce que les stand-up, c'est pas improvisé. Il faut juste bien savoir les raconter. Et quand tu as déjà le sens de l'humour, si bien que toi-même en racontant ton histoire, si je fais du stand-up, je crois que les gens vont aimer parce que moi, d'abord, mes histoires vont me faire rire. Donc, même si je raconte, vous ne riez pas, je vais rire. Je vais rire. Je parle près de moi, vous ne riez pas, je ris. Oui. Je ne peux pas m'annoncer, vous ne mangez pas. Je m'assois et mange devant vous, ce qu'elle lèche l'assiette. Après, pas. Je dis que c'est même quoi. Oh, je fais mon meublé, vous ne venez pas dormir. Je me couche, je dors sur ça chaque soir. Oui. Attends, Lisa, je vais regarder ce que tu fais. Ça me plaît, moi. Pardon, laissez-moi. La vie, c'est quoi? Oh, non. La vie, c'est quoi? Tu fais ton restaurant, on ne mange pas. Voilà. Tu bois le champagne avant le... Oh, non. Moi, je suis du genre, hein. Je fais ma chose et mange-moi. Bon, je te cherche d'abord. On va continuer. Tu chantes, J'aime beaucoup le jazz. Alors, je vois du jazz dans ce que tu fais. Je vois que tu as une grande joie de vivre. J'ai toujours aimé la peinture, mais je n'ai jamais le courage de peindre. J'ai payé des cours à mes enfants, mais j'ai rêvé, je me suis vu en train de peindre dans mes rêves. Bon, allez sur la page de Lisa Hurt, s'il vous plaît. Elle a 91 followers. Faites-la monter à 200 followers, s'il vous plaît. Allons-y maintenant. Elle est dans mon direct. Là, voilà, là-bas. Lisa URT. Il y a 145 personnes ici. Allez vous abonner à sa page. Allons-y. Et vous, likez deux de ses publications. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Allez-y vite. Allez. Elle est à 92. J'ai déjà liké sa part. Allez-y maintenant. Elisa, faudrait poster plus de tes publications. Je vois que tu n'es pas active sur les réseaux. Je vois que tu te pointes et tu regardes tellement les gens. TikTok, c'est l'endroit. TikTok is the place to be. Tu me suis? Ah, d'accord. Peut-être sur YouTube aussi. Illumination de la tour Eiffel. Ok. J'attends que les gens s'abonnent. Elle a 92 abonnés, à 98. Je pars d'abord sur YouTube, la chercher. Je reviens. Comme vous l'avez, vous êtes abonné à sa page. Un abonnement, ça ne tue pas. Bon, je suis sur YouTube, là, je cherche. Tour Eiffel. Ah, ça fait 6 ans. Ok, moi, je me suis abonné sur YouTube aussi. Ce que je vois, c'est que tu es le genre d'artiste qui est tellement heureuse dans ce qu'elle fait, je pense, que je crois que tu n'es pas pour tout le public. Tu aimes, je sais pas, je sens ton énergie directe quoi. Tu as la personne que tu te suffis en fait, et j'aime trop ça. J'aime pas ça, les personnes qui ont l'impression que j'ai l'impression qu'elle me supplie. Parce que je sais que si je passe du temps avec toi, je vais enjoy. Voilà. Tu fais ta chose, ça te plaît d'abord toi-même. Anne Hidalgo. Oui, je suis en train de regarder ta page. Et j'aime beaucoup. I love it.
Oui. Bonjour, je suis abonné aussi. Bon, je reviens sur TikTok. J'espère que vous êtes abonné, je sais. Je reviens sur TikTok, je vais voir combien d'abonnés elle a. Depuis qu'elle parle, une personne s'est abonnée. Allez vous abonner sur sa page. C'est que je crois qu'on m'a arrêté ça aujourd'hui parce que ce qui m'énerve sur les noirs, hein. Lisa, je vais te le dire sincèrement. Les noirs sont. J'ai été chez les blancs, j'ai vu les blancs solidaires. Oh, 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 oh. Le blanc, il te voit en route, tu dis que ton chien est perdu. Il laisse tout ce qu'il a fait dans la journée, il commence à chercher ton chien avec toi. On va te dire que, hé, qui est? Mais c'est mon. Il va aller chercher sa soeur. Sa soeur, il prend les affiches, il t'aide. Ce que vous voyez dans les films là sur les blancs, hein, c'est pas faux. C'est parfois ce qui me manque un peu chez les blancs parce que souvent quand j'étais chez les blancs, quand j'arrivais dans une ville, je me rappelle la première fois que je suis arrivée à Paris, la première fois que je suis arrivée à Reims. On était parti visiter aussi, on est passé en Allemagne, on est passé au Danemark, on allait en Suisse. Le blanc fait voir, tu fais ta chose, il te suit. Donc je ne sais pas pourquoi, il te donne une chaleur. Et c'est généralement des gens que tu ne connais même pas. Sérieusement, ça c'est ce qui me manque souvent. Parce qu'avoir des moments de synchronicité où tu t'entends avec les gens, ici en Afrique, c'est parfois rare. Ils aiment montrer qu'ils sont pauvres plus que n'importe qui, je sais pas. Qu'ils souffrent, vous souffrez plus que qui? Excusez-moi, ça c'est un coup de gueule pour moi. Le noir va te dire que, ah, moi je souffre, hein. Et ça ne peut pas quand même empêcher qu'on ait 5 minutes de... On rit, non? De fou rire. Et puis, tu peux venir, tu ris en ma présence. J'ai l'argent, tu n'as pas l'argent. Mais on rit. Je ne suis pas obligé de dire que, ok, je sois l'argent pour te donner. Mais tout pour le noir. Comme quand il vient dans mon direct, lis-moi. Le blanc verrou chasse souvent, il dit, dis-moi ce que tu as là-bas. Lis-moi, parle-moi. Je dis, mais attends, de toute cette journée, tu as donné quoi à qui? Le noir n'a pas le sens de donner quelque chose à quelqu'un. Je vous le dis, moi. Oui. Ça ne vous plaît pas, désabonnez-vous. Désabonnez-vous. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, j'ai reçu une dame ici aujourd'hui. Elle me dit, dis à tes abonnés que quand tu donnes quelque part, tu ne dois pas attendre que ça sorte du même endroit. Je lui ai dit que, maman, ils n'ont pas encore compris l'autre là. Oui, que ange même. La vie n'est pas comme ça, la vie. Oh. Donner. Parfois tu peux donner, hein. Tu soutiens quelqu'un, tu vois un artiste, tu le soutiens. 10 ans plus tard, tu as tellement semé. Voilà, je vais me marier. Tu as semé dans la vie des gens, semé. Soudainement, tu te retrouves quelque part, il faut qu'on vote pour que tu deviennes maire de ta commune. Quelqu'un que tu as aidé, ça fait 15 ans. Son fils vient. Il dit, tu sais, tu avais aidé ma mère quand elle était jeune. Il dit, je vais t'aider. Son fils marche, il fait la campagne pour toi dans toute la ville. Pendant que tu restes comme ça, tu es dépassé. On vote, tu deviens maire. Parce que tu as semé dans la vie des gens pendant des années. Vous ne connaissez pas semer. C'est pour ça que quelqu'un vient, il est gentil avec moi. Justement, nos oreilles. Tu veux quoi? Parce qu'il connaît que chez les noirs, l'aide sincère. C'est comme un facteur inexistant. It's almost zero. Oui. Et vous ne savez pas que c'est ça qui vous bloque. La clé est, mamie, clé de la vie. Donner. J'ai été dans des situations où les gens ont acheté mon problème. On a fait, hier on jeûnait. Donc à 18h, on a fait un zoom ensemble. J'ai été conduite comme ça parce que je ne me sentais pas bien. Donc je me suis dit, ok, je n'enseigne pas. Faites vos témoignages. Maman, deux femmes sont montées. Une a parlé jusqu'à pleurer même. Que la femme, c'est là. Reine du miel, c'est là. Maman, il faut écouter ce qu'elle dit. Je voulais dire que je n'ai pas payé la femme si. Après, elle m'a dit que bon, je me tais aussi. Elle parle seulement. Elle a parlé. Que non, tu as changé ma vie. Tu as fait comme ça.
Elle m'a dit que peut-être que je bavarde chaque fois que je suis en ligne, je croyais que les gens n'écoutaient même pas. Elle dit que depuis le premier jour que j'ai commencé à t'écouter, elle a parlé, parlé, pleuré, que tu ne peux pas savoir. J'ai dit que oh yo. C'est pour ça que quand quelque chose me tient à cœur, je me bats pour la chose. Je me bats. Oui. Tu me demandes c'est quoi les réclamations. Regarde comment elle te bloque. C'est quoi les réclamations? Tu m'appelles tata, je suis ta tata. Chaque fois qu'on m'a escroqué, on m'a trompé, c'est comment tu vas appeler tata ou maman. Moi, je vous connais. Tu vois, il y a 100 personnes dans mon direct. J'ai parlé de Luz, d'Elisa, j'ai fait 10 minutes sur toi. 15 personnes sont allées s'abonner chez toi sur 100 personnes. Live. C'est pour ça que j'aime souvent, j'ai souvent des clients, quand on se rencontre, on passe tellement de bons temps ensemble. Et je sais que ces personnes vont réussir. Je le sais. Parce que vous voyez l'univers. L'univers est juste. Hey! Parfois tu viens, tu aides quelqu'un, tu fais, personne ne voit. Après, tu restes comme ça en une journée. Brouh, une bénédiction vient sur un groupe. Tu dis, hé! C'est là que Dieu te montre. Regarde ce que tu as fait. Marie, je ne parle pas en charabia, hein, je parle du français. Tu m'as suivi. Ça veut dire que Marie était dans mon direct depuis. Si elle me parle des autres, des femmes d'eau. Donc, Marie, je te bloque. Je n'ai vraiment pas de perdre les abonnés. Attends, je te bloque. Voilà. Ce que j'aime le plus faire sur TikTok. Bloquer les gens. Ah, une autre personne. J'ai des visions. Je te bloque. Venez encore parler. Venez parler. Bon, j'ai terminé. Je vais vous laisser. Parfois, il passe son temps sur TikTok et après, il me dit que si il prenait même mes heures là, je partais même faire l'amour avec. J'aurais même peut-être plus de jouissance, on ne sait jamais. Pourquoi il vient enseigner les gens, il enseigne les gens, après, il dit que Seigneur, il fait même ça pourquoi? Tu veux d'abord l'observer. Hein, Emma? Attends, regarde, Emma, je te bloque. Attends, je te bloque. Est-ce que vous savez que TikTok ne paye pas la personne chez qui vous abonnez? TikTok ne me paye pas et ne paye pas la personne. Et ton nombre de personnes à qui tu as abonné, ça ne change rien. On vous dit, va t'abonner, donc cliquez abonner. Tu dis que non, tu fais d'abord l'observer. Mamie, en tout cas, tu es à partir, tu es à bloquer. Kevin, tu t'es pas abonné aussi, non? Je te bloque, n'est-ce pas? Ah! L'homme noir, l'homme noir, l'homme noir, non. Non, Lisa, laisse, je suis tombée sur ton cas, vous dit. Même si tu ne veux plus, même si tu sors de ma page, je vais seulement parler. Un jour, j'ai reçu des gens chez moi. Vous avez remarqué que j'ai arrêté de vous recevoir les premiers chez moi, non? Je n'aime pas recevoir les égoïstes. Je reçois les gens, je leur donne à manger. Personne n'a contribué. Une jeune fille de 14 ans vient avec des crêpes. Sa mère dit qu'elle s'est levée pour être chez moi à 9h. Cette enfant s'est levée, je crois, à 4, 5 heures pour faire les crêpes. Et qui dit faire les crêpes dit brûler ses doigts. 14 ans. Cette fille aux États-Unis aujourd'hui. Ça, on parle de septembre. L'homme, ils ont leur visée, ils sont partis aux États-Unis. Elle apporte les crêpes. On met sur la nourriture que j'ai préparée. On sert les gens. En servant, j'enseigne. Je dis aux gens que voilà l'enfant de 14 ans qui a pris l'argent, elle a fait les crêpes, elle a brûlé ses doigts. Et vous allez venir découper. Vous allez vous partager ça. Le mois prochain, personne ne vient avec quelque chose. Je vous avais dit que non. Vous êtes trop mendiant. Vous êtes trop mendiant. Laissez. Pourtant, non. Un jour, j'ai une situation. Il reste 5 femmes et il y a 3 bouteilles d'eau qui restent. 3 bouteilles d'eau. De 500 ml chaque bouteille. C'est moi qui leur donne l'eau. Et j'enseigne.
Je viens de leur enseigner. J'ai pris mes 2 heures, j'ai enseigné. Tu seras au Cameroun quand? Je te bloque. Donc, aucune des femmes ne veut donner l'eau à l'autre. Je ne veux pas comprendre. Ça m'a énervé, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, je vous dis. Je leur ai demandé, donc moi qui vous reçois, je me suis folle. Je suis folle. What the fuck? Elles sont devant moi, elles se discutent l'eau. J'ai dit laissez. Pendant, au lieu de laisser à celle à qui c'est, elles sont en train de se discuter. J'ai dit waouh. J'ai dit donnez-moi mon eau, je vais boire mon eau. Donc j'étais énervée. Donc, tu as un box de nourriture dans ta main. Tu sais que tu vas rentrer avec la nourriture pour manger. Il y a une bouteille d'eau. Tu peux dire à ta voisine que non, mamie, garde l'eau, ça va. Non, je me rappelle encore de ça. Ça m'a trop fait mal. J'ai dit qu'il y a encore fait un an avant de vous inviter chez moi. Mouf. Que tu es venu sans rien. Hein. Tu aurais pu acheter une bouteille d'eau, même tanguy, tu viens avec l'eau qu'on vend à 1000, à 500 au Cameroun, 350. Non, tu te pointes sans rien. Tu viens. Tu manges. L'eau ne suffit pas. Tu ne peux pas dire à l'autre que prends. Et j'ai regardé les personnes qui n'avaient pas eu d'eau. J'ai envoyé leur acheter le jus ou la bière. J'ai dit, allez acheter la bière. Les gens sont... Il y a des gens qui n'ont pas compris que c'est quand tu donnes que tu reçois. Oh Seigneur. Ça m'énerve jusqu'à... Parce que je vous prêche ici, là, tous les jours. Et vous êtes toujours chiche. Vous êtes dur. Votre main est dure. Ah, Nunga. Nunga. Ne me donne pas l'argent, hein. Est-ce que tu donnes d'abord quelque chose à quelqu'un? Est-ce que tu donnes? Vous savez qu'il y a des moments où je fais des campagnes ici pour qu'on parte chez les donner des trucs aux orphelins. Je fais des campagnes. Allons, je cotise l'argent, cotisez. Vous savez, ils me regardent comme ça là. Pourquoi est-ce que vous faites-tu moi? Vous allez être bloqué. Vos enfants seront bloqués. Vos petits enfants seront bloqués. Kohora. Parce que votre cœur est noir. Oui. Je vous insulte. Ça ne te plaît pas tout ce que tu as à l'air. Que la femme se prend pour qui? Je vous insulte. Oui. Hey, abonnez mon frère. C'est pour ça que vous bloquez souvent ici en maison. Tu dis, moi, quittez là-bas. Quittez là-bas. Quittez. Dieu répond aux gens. Oh, je... Non, 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 pardon. Parfois, je veux que j'enseigne aux gens. Je dis, mais Seigneur, pourquoi leur vie ne change pas? Parce que leur cœur est noir. Mais Seigneur, je travaille sur la femme depuis, non? Elle me suit depuis 2 ans. Qu'est-ce qui se passe? Son cœur est noir. Son cœur est noir. Oui. Vas-y là, je ne suis pas là pour vendre mon kit. N'achète pas. Tu as compris? N'achète pas. N'achète pas. Je suis la seule personne que vous allez venir. Je te dis que n'achète pas. Laisse-moi. Je vais regarder mes kits, ça me plaît. Je joue la musique, je danse à côté de mes kits, je bois le vin. Oui. Et que. Depuis que j'ai compris que l'univers est juste. Je ne m'inquiète plus. Je ne m'inquiète plus. Même pas une minute. Oui, oui, Lisa, c'est vrai. Chronique et tout ça. Je suis en train de mettre des choses sur pied. Il y a le local. J'ai déjà tout ça, oui. J'espère que vous avez compris.
Et l'esprit se souvient de tout. L'esprit se souvient de tout. La personne que tu as aidée, on ne voyait pas. L'enfant de ta ménagère. Mm-hmm. L'enfant de ta ménagère, là, que tu disais peut-être que, ouais, il faut qu'il parte à l'école, non. Tu sors ton argent, tu payes l'école de cet enfant. Personne ne voyait. L'univers se rappelle de tous tes détails. Tous les détails de ta vie. Oh. Oui, Lisa, il faut venir. Si tu viens au Gabon, tu me fais signe, je te reçois chez moi. Tu viens à Douala, je te reçois chez moi. Si tu viens à Abidjan, je te reçois chez moi. Ne te dérange pas. Je te reçois. Oui. Choisis seulement le pays où tu veux venir. Je n'aime pas le mot peur. Tant que tu mets peur dans ta vie, tu ne peux jamais rien accomplir. Je ne parle pas des gens qui parlent de peur. Et moi-même, je n'aime pas le mot peur. Donc, ne te dérange pas. Mais t'inquiète pas, je suis là. Tu as besoin d'avoir peur. L'univers se rappelle de tout ce que vous avez fait. Tout. Parfois tu arrives comme ça, tu vois, on choisit quelqu'un. Ça t'énerve. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Oh babe! Souvent quand je fais des séances d'exorcisme sur les gens, il y a des démons qui parlent. Souvent, ils te parlent avant de partir. Souvent, enfin, souvent, ça m'amuse de les questionner. Souvent, tu questionnes, il y en a qui ne parlent pas, il y en a qui parlent. Oui. Il te dit. Il y a une fois, une maman, là, je travaille sur elle. L'esprit l'a dit, ce qui la sauve, ce sont ses bonnes actions. Elle aide toujours les gens. C'est ça qui nous bloque. Je vous dis. L'ennemi n'aime pas que tu fais du bien à quelqu'un quelque part. Jusqu'à tu restes comme ça, quelqu'un dit, ah, heureusement que telle personne était là pour m'aider. Tu vois, c'est pas le soupir là. C'est ça faire du bien, s'il vous plaît. Ce n'est pas mon truc, oh, tu as fait, tu as filmé, tu as mis en ligne. What was that? Tu vois, peut-être ce soir, une maman avec son enfant sont à la maison, tu dis que, hé, merci, tata Abby nous a donné à manger. Seigneur, merci. C'est toi, hein? Ça là, même les plus grands démons, ils vont arriver, ils vont regarder, ils vont dire, ah, on ne peut pas la toucher. Parce que vous êtes tout la tête, hein? Comment faire pour me protéger? Oh, j'ai votre macabre ce soir, j'ai votre macabre. J'ai envie de vous insulter bien même. Oui. Quand il est malade, il a faim. Tu dis, va, sois en paix. Que le Seigneur te bénisse. Baptiste, tu as bien dit, c'est plus que la prière. C'est pour ça qu'ils sont pleins dans les églises. Oh, chakarada! Donc, quittez avec ça. Quittez avec ça. Voilà, allez, voilà. Chaque famille réveille mon ancien. Les mairies reviennent à l'autre. Je vais te. Attends, je te bloque. Je te menace même pourquoi. Attends, je te bloque. Ouf. L'émotion que tu ressens quand tu fais du bien à quelqu'un, je peux vous en parler toute la soirée. L'émotion que tu ressens quand tu fais du bien à quelqu'un. Oh, on peut écrire des livres dessus. C'est tellement un sentiment vrai que même l'enfant ressent. Tu vois, quand tu pars peut-être d'un orphelinat ou tu peux aider quelqu'un, tu es avec ton enfant de 5 ans. Il dit, maman, on part encore quand? Tu dis, pourquoi? Il dit, j'aime partir là-bas. Parce que l'enfant veut sortir. Oh, oh non. Avant, je partais les orphelinats moi-même. C'est juste que maintenant, je suis très occupée. Je commissionne des personnes qui partent. Donc, je vais organiser une fois un jour. Vous viendrez, on va aller ensemble pour donner ce qu'on connaît, nos dons, nos talents. L'enfant te dit que maman, on part encore. J'ai commencé à aller enseigner les orphelinats pendant le Covid, ou la Covid, je m'en fous de si c'est féminin ou masculin. Je prenais mon temps et je me rappelle le père de mon enfant quand je partais avec elle. Elle avait 11 ans, 10 ans à l'époque. 11 ans déjà, 11 ans. Il me disait non, il ne faut pas partir là-bas, mon enfant va être contaminé. Hein. C'était tous les dimanches. Dès que dimanche arrive comme ça, que ma fille a déjà arrangé son sac. Maman, on part.
part à l'orphelinat. On arrive là-bas, on installe nos choses, on enseigne aux enfants. Après, on fait les crêpes avec eux, on fait les trucs, ils sont contents. Un jour, on a fait le pain perdu, on a mangé. Un jour, on a fait les pili-pili. Et quand les femmes avaient comme ça, chacun prend son assiette. Chacun prend son assiette. Ils étaient 22 à l'époque, parfois 22, parfois 24. Je mets l'assiette devant tout le monde. On part en ligne, on regarde la recette. Chacun regarde la recette. On dit, versez la farine. Chacun verse la farine. Versez l'œuf. Après, je dis que si tu tournes, ce n'est pas bon. Tu vas manger. On ne mange pas pour l'autre. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Il dit d'accord. Après, on pompe, on met au four. Ça, c'est les meilleures années de ma vie au pays. C'est, j'aimais ça. J'aimais. Après, on met au four, on retire. Chacun mettait son insigne dessus parce que quand c'est la pâte gonfle, généralement, si tu avais mis un insigne, ça disparaît. Non, c'était pour moi ici là. Il a mangé ma part. Tu es un temps séparé les problèmes. Tu es un temps séparé. Non, il a mangé ma part. Oui, j'ai dit qu'il coupe un peu, il est venu là couper beaucoup. vous pouvez savoir. Non, laissez. Oh. Et ça m'a dit que j'irai maintenant construire la maison. Je vais adopter vos enfants. Vous venez me les donner. Vous me donnez vos enfants. Vous les mettez, je les mets chez moi. Ils auront leur télé, ils auront leur piscine, ils auront. Je vais mettre tout dans la maison là. Oui. Tout. Bon, les vacances, on se demande qu'on part chez maman Kino, pardon, maman Baye. Oui, elle vient chez moi. Mais le temps où je vais les taper, quand j'ai besoin des enfants, c'est mon amour pour ça qui a fait que j'ouvre l'école. C'est ça qui a fait que j'ouvre l'école après. Parce que ça me passionnait en fait. Parfois, quand le parent t'amène l'enfant, il dit. Mon fils ne peut jamais entendre ce que il est têtu. Hein? Il dit non, laisse, papa, laisse. L'enfant fait 3 jours. L'enfant se réveille à 5 heures. L'enfant, quand on réveille souvent à 8 heures, il ne se lève pas. 5 heures, l'enfant est debout. C'est quoi? Tu parles tôt comme ça? Non. Madame Jocelyne a dit qu'il faut qu'on arrive tôt. Que celui qui arrive tôt, elle va lui donner 5 ans. Tu arrives tôt, tu donnes 5 ans. Le jour où tu viens tard, tu me donnes 100 francs. Ha! Les gens commencent à venir tôt maintenant. Oh non, non, j'ai une façon de motiver les enfants quand je travaille avec eux. Quand je m'assois avec les enfants pour travailler, je ne fais pas d'effort. Parce qu'ils me comprennent, on se comprend. Oui. Ok, organisons les choses. Ils disent ok. Parce qu'il faut toujours poser des conditions aux enfants, tu mets une récompense à côté. Système de récompense, ça marche toujours. Ils s'organisent. Ok, on fait la liste. Il faut aller d'abord marcher, il faut trouver, il faut voir ce qui manque. Ils organisent maintenant. Toi, tu fais ça, moi, je fais ça, l'autre fait ça, l'autre fait ça, l'autre fait ça. Tac, ok. Allez, fais. Un jour, il y a une petite là, elle avait 15 ans. Elle est arrivée en retard. Et la veille, elle m'avait donné l'amende de 100 francs. Elle était fâchée. Parce qu'elle disait que, elle m'a mis au challenge. Elle dit que tata, demain, je vais arriver à l'heure. Arrivée en route, au chemin pour venir au centre. Elle dit que la voiture les a éclaboussées. Donc sa petite soeur de 3 ans est tombée dans la boue. Donc il fallait qu'elle rentre à la maison, la changer, nettoyer, changer. Et elle devient en pleurant. Elle dit c'est quoi? Elle dit non, je suis sortie tôt aujourd'hui. Je suis sortie tôt, je voulais venir à l'heure. Elle a pleuré. Elle dit que non. Félicite-toi parce que c'était un objectif pour toi. Et je vous assure que depuis le jour-là, c'est parce qu'on finisse les cours. Elle n'est plus jamais venue en retard. Plus jamais. Et mon meilleur moment, c'est quand on finissait, quand les parents venaient témoigner. Waouh, franchement, depuis que les enfants sont ici au centre, tu vois, l'enfant rentre comme ça là, il me dit, voilà ce qu'on nous a appris aujourd'hui à l'école, voilà ce que Coach Jocelyne a dit. Et les enfants m'appellent Coach Jocelyne. Coach Jocelyne a dit que, tu vois, l'enfant rentre. Un jour, il y a des parents qui m'ont amené l'enfant de 12 ans, il était trop têtu, il n'aimait pas étudier. La maman, quand on faisait la cérémonie de clôture, quand la maman était avocate, elle vient vers moi et me dit, tu sais, on a surpris, son père et moi, on a surpris à 3 heures, il étudiait. Et quand on lui demande pourquoi il étudiait à 3 heures, il dit, Coach Jocelyne a dit que si on veut exceller tout le monde, si on veut devenir meilleur, il faut étudier quand les gens dorment. J'ai ri l'affaire là, je me rappelle. Ils m'ont dit ça en 2020. Ça fait 4 ans, je m'en souviens toujours. Je m'en souviens. Donc franchement, quand tu as l'amour pour les gens et pour ce que tu fais, et Dieu élèvera toujours
dans les positions de leadership, les personnes qui ont un cœur sincère. Écoutez, même si tu penses que ça aurait dû être toi, que tu aurais dû gagner, tu penses qu'on a trafiqué, qu'on a... Garde dans ton cœur la sincérité. Tu vas voir. Je pensais à l'histoire de cette dame aujourd'hui. Riza, celle qui est en train de faire le mois de février sur TikTok. C'est une femme qu'elle a traversé toutes ses douleurs. Quand elle les traversait, personne ne la voyait, bien sûr. Et j'ai regardé une dernière vidéo qu'elle a faite le 31 janvier. J'ai vu ça tout à l'heure. Et elle disait, accrochez vos ceintures. Le mois de février arrive. Que Dieu appelle, ce sont les femmes battantes qui sont nées en février. Ce sont les femmes leaders qui sont nées en février. Elle ne savait pas que, carrément, 14 jours plus tard, elle serait la femme la plus connue du monde actuellement. C'est la femme qui fait le buzz. Tout pays qui parle anglais connaît cette femme. Bientôt, ceux qui ne parlent même pas anglais vont la connaître. TikTok est viral toujours. Quand quelque chose est viral sur TikTok. Et je viens vous annoncer, quand j'ai vu son histoire, Dieu m'a dit de vous dire, j'avais oublié de vous dire. Beaucoup d'entre vous, je vous donne maximum 3 mois, 3 jours, 3 semaines. On ne va pas en termes d'années. Tu vas devenir viral. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Dans la journée, on a commencé à te dire déjà, tu sentais déjà cette énergie en toi. Ils m'ont dit de te dire que tu vas devenir viral. Je ne sais pas comment, je ne sais pas, mais c'est la parole que j'avais pour toi. Tu vas, like, you're going to break the internet. Comprends ça. Ce sera avec plaisir, Lisa. Tu vas devenir viral. Donc, ne te demande pas comment ça va se faire. Non. Parce qu'il va avoir le désir dans toi, tu auras la volonté de le faire. Et tu vas te lever, tu vas le faire. Tu crois que c'est facile d'enregistrer 50 vidéos, 500 minutes. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est pour que l'esprit te pousse. Il te fait, tu t'assois, tu mets la caméra, tu parles. Oh. Pardon, mamie, il faut avoir la foi, pardon. Ne laisse pas les gens te faire douter de ta chose. Écoute-moi. Just do your thing. Do your thing, your thingy. Ça te plaît, toi? Oui. Les gens n'imaginent pas le temps, maman. Ils n'imaginent pas. Mais dans le temps, ce que tu travailles en premier, c'est ta foi. Keep the faith. Comporte-toi comme si ils étaient déjà là. Mamie, mais oui, c'est déjà là. Reviens-toi, tu es contente. Reviens-toi avec la joie. Vous allez commencer à comprendre. Beaucoup d'entre vous, vous avez souvent senti sur vous beaucoup de goosebumps, la chair de poule. Beaucoup. C'est ton énergie en fait. Certains d'entre vous ont accumulé la puissance. Et la puissance attire l'attention des gens. La puissance attire l'argent. La puissance attire les foules. Oui. Ça brise les jougs, les malédictions de votre famille sur les générations. Là, ça brise, ça rompt tout ça. Ça casse. Oui. Et votre premier signe, c'est la joie. Sarah, il y a des scammers avec ma photo, je le dis tout le temps. Et je vous ai toujours dit, je ne vous écrirai jamais. Donc si quelqu'un vous écrit avec ma photo, avec mon nom, et vous partez lui parler, tu vois quelqu'un a 1000 abonnés, tu vois ma page a 400 000 abonnés, tu vas lui parler, parle-lui. Ok? C'est un truc que c'est... Tu sens ça en toi, là. L'autre jour, je suis restée sur mon lit. J'étais tellement bien que je ne savais pas si je rêvais ou je flottais. I was like... Tu vois souvent quand tu es dans un taxi, non? Et le soleil est en train de se coucher, et le taxi passe au bord de mer, et soudainement, il met ta chanson préférée.
Moi, quand je reste, je reste comme ça. Oh my god! Et en plus, le taximan est beau. Qui m'a dit, vous avez besoin de quelque chose? Tu dis, oh non! Tu vois, ben non, tout est parfait. Everything is just. Don't know why you've been missing. Attendez, je vais vous mettre. J'ai une musique que j'aime beaucoup. Mais si je mets ça, Facebook va me bloquer. Norah Jones. Don't know why. Tu restes comme ça là, tu dis. Oh. Je suis en train de toucher le ciel. Où la porte ici là? Ça, c'est les ailes de l'ange. Oui, l'ange, ange. Tu m'as vu? Tu touches. Ça, c'est les nuages. I'm in heaven. I'm in heaven. Je crois que Armstrong, je crois, il a chanté Heaven. I'm in heaven. J'aime beaucoup cette chanson-là. Oh, elle va faire une chanson pour nous. Oh my God, I'm so happy. Attendez, elle va nous faire une chanson. Attendez, je m'apprête pour écouter. Parce que je sens que je vais passer un bon moment. I feel good. Ok, attendez. Je sais comment faire monter quelqu'un comment. Je crois que tu dois demander à monter d'abord. Demande un peu pour voir. Moi, j'aime le bonheur. Hein. Si je pouvais, je me marierais tous les mois. Je me marie avec un mec différent. Parce que quand c'est avec un mec différent, c'est super. Parce que... Ouais. Bon. Ok, attends, j'essaie de t'inviter. I don't know. Ok, I will find out. C'est toi qui dois demander, je pense. Dis-lui un peu, s'il te plaît. S'il vous plaît. Ah, tiens, je vais te chercher un peu dans les personnes. I'm in heaven. Oh, je sais pas, soudainement, je me sens tellement heureuse. Je sens qu'elle va écouter du jazz toute cette nuit. Ah, c'était avec Ella Fitzgerald. Ok. I love it. Je ne sais pas comment faire ma chérie. Cécile, comment tu vas? On va t'envoyer un chocolat par moi. Hein? Bon, dites comment elle va faire pour monter. Bon, tu es censé cliquer quelque part ici. Attends, je vais voir si je peux faire une capture d'écran. Non, Univers Beauty, je suis tellement contente que je ne veux plus lire les cartes. Mais je vais lire tout à l'heure. Actuellement, je me sens trop bien. J'ai pas envie de lire les cartes. Parce que lire vos cartes, c'est rentrer dans vos énergies. Et j'ai pas envie. Je me sens trop bien. Ouais. I feel good. Il faut que tu aies accès au live. Tu as accès au live. Je crois qu'il y a moyen que tu envoies le truc. Attends. I am so sure. Quel clic sur invité? Ben voilà. Clic sur invité. Tamsi, tu peux monter ici là pour faire quoi? Et prends pas les gens dans mon live. Quand ils voient ta photo là, je ne sais pas. Je ne la trouve pas dans les personnes que je peux inviter. Ariane! Je ne sais pas si elle est connectée. Il y a une de mes amies là. Ben, on n'arrive pas à le faire. Mais je vais écouter du jazz tout à l'heure en pensant à toi. Voilà, à côté de la place du live, il y a un commentaire, il y a un icône. Lisa, je pense que c'est toi qui dois plutôt le faire. Ok. Une heaven. I'm in heaven. Elle n'a peut-être pas assez d'abonnés. Oh, oui.
Peut-être. Merci, Chimène. Oui, j'avais pas pensé. Ouais. Tu vois pourquoi je dois avoir plus d'abonnés, ma chérie. Bonjour, Enzo. Parfois, je me dis, le problème qu'on a en ligne, c'est que aujourd'hui, les gens viennent juste pour ce qu'ils vont recevoir dans le live. Parfois, tu peux venir et tu passes du bon temps. Comme ça, vous voyez, je mets souvent la musique, j'écoute. Hein. J'écoute moi la musique. J'écoute, ça me plaît. Oui. Alors, j'aime me sentir bien. Oui, pardon, viens, on rentre. Viens. Queen Makeda, bonne soirée ma chérie, bye. Davis, j'ai dit aux gens de s'abonner tout à l'heure. C'est ça qui a fait que je commence à parler ici. J'ai dit que abonnez-vous. Ils ont commencé à dire que bon, je vais bloquer Facebook. Je vais arrêter avec vous.